Dis pas, j'ai lancé, hein, parle pas. Elsa. C'est Elsa qui m'a pété mes lunettes déjà les gars, on va mettre les choses au clair, c'est mes lunettes. De base c'est celle de Dofla, mais maintenant c'est les miennes. Est-ce que le chat vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien dans le chat? Est-ce que tout le monde va bien les gars? Ce soir, soirée horreur, Squeezie devait venir, il m'a planté, du coup il sera pas là. Il sera pas là ce soir, je vais faire tout seul. Non je rigole, il est là, il est en train de se taper des chips, vas-y, eh, viens, viens. Je le vois depuis tout à l'heure, et je danse tranquille, il était derrière ça, la porte. Moi aussi je voulais m'ambiancer, je voulais danser. Voilà, il est là les gars, on a eu un peu de retard, on s'excuse. C'est vrai. Mais on l'avait promis, tiens je te laisse la chaise. Je te laisse cette chaise là. On avait une revanche à prendre sur la grand-mère. Frérot, on avait une revanche à prendre ce soir, désolé de vous avoir fait attendre les gars, vous avez attendu je sais pas combien de temps, mais merci à tous ceux qui sont là, qui te mettent déjà des pouces bleus. Les BG, on vous a fait attendre. Est-ce que tout va bien? Le son, tout marche? Parce que j'ai des petits bugs la dernière fois. Membre depuis 13 mois. Bah merci Olivier pour tes 13 mois. C'est quoi l'histoire où il y avait un live et t'avais pas vu que c'était en live? J'ai vu ça passer. Ah ouais? Ouais, ah mais ça m'est déjà arrivé. Ça, fait hacker, ah, ça m'est déjà arrivé. Mais c'était pas un cœur, juste à oublier. Non, c'était pas un cœur. Je me disais, c'était avec Amine, je crois. C'était avec Amine. Mais non, en ce moment, tout le monde se fait hack leur chaîne. Michou, il a perdu sa chaîne. Le frère de Michou, il a plus de chaîne. Là, actuellement, il a plus de chaîne. Il se passe des trucs. Il se passe des dingueries, mais bon, j'espère qu'ils vont pas me supprimer ma chaîne, les gars. J'espère qu'ils vont pas supprimer ta chaîne non plus. Ouais, ça fait peur. Hein. What, mais j'ai trouvé la réaction de Michou, elle était assez ouf. Juste, bon bah j'ai plus de chaîne. Il en a rien à foutre. Moi je serais comme ça, frérot. Ouais, pareil, je serais mal. Et Michou, il en faisait des blagues directes. Bah Michou, c'est. Tu sais, y a même pas eu un petit temps de panique. Non. Tu sais, il a vu, il a fait ah bon. Ah, Elon Musk. C'est un ouf. Bon, du coup, les gars, on vous a dit. On va finir Granny, depuis le temps qu'on doit finir, gros, Granny. En plus, là, attends, c'est demain, là, ta vidéo qu'elle sort. Ouais. Grosse vidéo, les gars, demain. Ouais, je pense que vous avez vu le trailer. C'est celle-là que tu utilisais depuis longtemps. C'est celle-là. Du coup, les gars, demain, grosse vidéo. J'ai hâte de la voir. Moi, je l'ai vue. Elle est d'art. Ouais, je suis content, frérot. J'ai hâte de voir. Bah voilà, du coup, les gars, petite soirée. Mec, je te propose. Ça donnait. Déjà, d'après, ça donnait envie de parler de trucs, mais je vais spoil. On va rien dire, je vais rien dire, je vais pas t'engueuler dans genre. Ouais, je vais rien dire. Oh. Mais ça donne envie là, c'est horrible. Je nous mets direct dans l'ambiance. Les gars, est-ce que vous êtes chaud pour ce live? Et moi, je vais retirer mon hoodie. Parce bah, ouais, c'est vrai que même moi, je vais avoir chaud. Même moi, je vais retirer mon pull. Merci Jordan. L'épisode 1015, mec, incroyable, les gars. C'était un masterclass, c'était un 10 sur 10, l'épisode 1015 de One Piece. One Piece, je voulais te montrer un truc. GCDS, une marque de vêtements, ils ont fait une collab avec One Piece et c'est archi beau. C'est stylé. Je pense que tu vas en acheter. Tu me montres après alors. Je te montre après. Vas-y, je pense à toi. Parce que moi, je te dis honnêtement, les collabs animé marque, je trouve ça archi claqué. Non, là, c'est très stylé. Là, c'est très cool. Ouais, tu peux le mettre sans te dire, ouais, ça fait. Exactement. Ok.
Non, je sais que tu vas aimer. Je sais que tu vas aimer. On regarde après. On regarde et le chat vous jugerait. Ouais, et vous nous direz au pire le chat. Coucou, ça va? Quand est-ce que tu viens en Suisse? T'inquiète, je vais venir Dream un jour, c'est promis. Merci les BG. Et la réunion, c'était comment? Gros, c'était une masterclass. Mais c'était une master. Tu sais que là, les gars, dans l'unanimité, la vidéo, ils ont kiffé sa mère. Parce que je pense que j'ai bien montré l'île et tout. La et culture gros, et tout. Là, quand je te dis ça, c'est. Moi, c'est le plus bel endroit du monde où je suis allé hein, jusqu'à présent. Mais ça a l'air ouf, moi. J'avais failli y aller quand j'ai fait le tour de francophonie et tout. Et je crois qu'on est allé en Guadeloupe au lieu d'aller à la Réunion. La Guadeloupe, c'est un peu stylé et aussi. C'est très stylé aussi. Guadeloupe, c'est carré aussi. Mais Réunion, il paraît que c'est vraiment. Ah non, c'est quelque chose. Non, faut que tu regardes. Mais le problème, c'est 1h25 de vidéo. Bon voilà. Le problème, c'est pas un problème. C'est pas un problème, mais c'est dur. Moi, j'avoue, je regarde pas trop. En fait, moi, j'ai toujours regardé à l'époque les vidéos sur YouTube, ça durait 10 minutes, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai gardé ce truc de regarder des vidéos 10 minutes. Alors que même moi, je sors des vidéos des fois qui font 30, 40, 50 minutes. Bah, je les regarde pas, frérot. Tu les regardes. Je check juste le montage, lui dis, ouais, change ça. Ouais, je check. Non, je suis obligé de la regarder une fois pour valider le montage et tout, faire des retours, mais. Moi je suis vraiment team vidéo de 10-12 minutes. Vous êtes team efficace. Combien de minutes vous le chat? Mais aujourd'hui les gens ils lancent YouTube pour regarder des vidéos assez longues en fait. Ça a changé tu vois. Il y en a vraiment ils se disent bon alors cette vidéo je la graille en un temps. Ou des fois il y en a ils disent bon je la regarde en plusieurs fois. Ouais. Mais tu vois voir dans l'unanimité je pense ils disent 30 minutes. En moyenne les gars c'est 40 tu vois 40, 50. Est-ce que vous regardez, j'ai une autre question. Est-ce que vous regardez genre 40 minutes d'affilée ou vous vous permettez des petites ellipses? Ah. Quand c'est un peu lent. Ça, c'est intéressant. Ça, oui, le skip. Ouais, le petit skip, tu sais, clac, 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 on avance un peu, tu sais, le point qui bouge. Ouais, t'as raison. Hello, Squeezie Nox, merci Léana, merci Anaïs. Je sais qu'il y en a plein qui les matent comme ça aussi, tu vois, qui avancent un peu, qui skip, tu vois, quand c'est un peu lent et tout. 20 minutes. C'est vrai que 20 minutes, 20, ça revient 30, pas mal. Il y a beaucoup de 20-30. 20-30, ouais. C'est vrai que. Et donc, du coup, ceux qui regardent 20-30 minutes, par exemple, pour mater la vidéo de Dinox à Réunion qui dure 1h20, vous la matez en 2-3 fois, quoi. Gros. Non, mais tu la mates en deux. La vidéo de la réunion, les gars, vous allez mater en 2-3 fois ou en one shot? Parce que je te jure, il y a des vidéos, moi, des fois je les laisse parce que quand je la regarde, ça passe vite. Je skip pas. Je me dis, si moi je skip pas, je me dis, les gens, peut-être, ils vont pas skip. Et des fois, ça passe, ça, t'as pas l'impression de les voir, les 1h25. Je suis tu vois, le date avec André, il durait 1h. Frérot, j'ai fait le plus comme ça et les gens ils m'ont dit ça passe trop vite, c'est 10 secondes. Ouais, parce que tu rythmes aussi, dans tes vlogs c'est très rythmé. Tu ouais, vois, ça bouge. Il y a des trucs, ouais, exactement. One shot. Ouais, il y en a beaucoup, tu ah vois. Ouais, ils une font, fois, mec, ouais. 1h25 ouais. En one shot. Hein. Putain, c'est dingue. C'est énorme. Hein. Et j'ai revu le watch time, c'était 30 minutes sur la vidéo. C'est énorme. C'est énorme. Sur la réunion là ouais. Énorme. C'est énorme. C'est un très gros watch time. C'est énorme. Normalement, le watch time, en gros, on va dire. Le watch time, en gros, je crois que globalement, c'est autour des 15 minutes, quoi, tu vois. Ok. Genre, les gens, sur une vidéo de 1 heure. Sur une vidéo, non, un peu moins d'une heure. Une vidéo qui va faire genre 40 minutes, 50 c'est 15 minutes. Les gens, c'est beaucoup déjà. Il reste 15-16 minutes, tu vois. C'est beaucoup quand même. One shot, frérot. Oh là là, la team aïe, de aïe, PG. Aïe, aïe, merci les gars, ceux qui sont là, vous êtes des cracks. Hein. Vous êtes des cracks. On le sait. Tu chips ou pas, toi? Non. Non. Moi, y'a pas d'écart. T'es en mode. Non, non. Il dit ça, il a fait claquer dans la seconde. Non mais frérot, je fais trop de trous. Je vais à la réunion, je vais pas à la muscu. Ensuite la bouffe. Comment ça? Bah à la réunion, je peux pas aller à la muscu. Comment ça? Mais je pouvais pas. Tu vas encore à la muscu toi tous les jours? Non mais tu pouvais faire un. Tu vas encore à la muscu tous les jours? Moi là tu changes de discours. Moi je suis chez moi. Je suis chez moi. Ah ok. Donc pour les gars, non parce que. Eh dans l'escalier, il y a 3 secondes, il me faisait. Ouais frérot, moi aussi. Des fois, je vais qu'une fois par semaine. Eh bah t'as vendu ça! Vends pas! Non mais des fois c'est dur, des fois il y a des semaines c'est dur. Ouais, c'est mais par contre en voyage, moi je fais genre au moins abdos et pompes vite fait quoi. Ouais. Vite fait. Vite fait. Moi je le fais. Eh hey, il a fait le premier jour, il dit vite fait, c'est sûr. C'est sûr. Non mais les gars, en tout cas on essaye de se maintenir, on fait attention. Merci Snadi pour ta donnée. Les gars, est-ce que vous êtes chaud? On finit Granny. Squeezie. Non mais là il faut y arriver. Attends, frérot, est-ce que là on se pose sur l'ordi comme des gros geeks? On le finit. Frérot. Le jeu est ouf, déjà. Pour ceux qui étaient pas là, c'est un jeu où on est dans une maison, le but c'est de s'échapper, on a été enfermé dans une grand-mère tarée qui a une batte de baseball qui veut nous fracasser le crâne. Non, c'est ça le jeu. Graphiquement... C'est de la merde. Vous allez voir, c'est pas Unreal Engine 5. Mais le gameplay est ouf, et elle met des pièges, il y a des trucs à trouver. Et surtout, c'est très stratégique. Surtout, c'est stratégique et c'est généré aléatoirement à chaque nouvelle game. Si tu veux, on a 5 vies. Oui. Et quand tu meurs, au bout de la 5e fois, la game, elle se relance. Et tout a bougé de place. Non mais c'est vrai, tout est aléatoire. Donc du coup, faut grave observer. Et ce qui est bien, c'est que les abonnés nous aident un peu à nous dire où il y a les items, quel item sert à quoi, tu vois, ils nous aident. Qui était là la dernière fois? La dernière fois, ils nous ont grave aidé. Ouais. Qui était là? Tapez 1, ceux qui étaient là, tapez 2, ceux qui n'étaient pas là. Ouais, la dernière fois qu'on a joué avec Squeezie à Granny. C'était il y a un moment, hein. C'était il y a un moment, mec, je crois que c'était il y a un mois et demi, je pense.
Ouais, 2 mois. Frérot, c'était à longtemps. C'était il y a 2 mois. C'était peut-être même il y a 2 mois et demi. Il y a 2 mois et demi, c'était il y a si longtemps que ça. C'est incroyable. Mais gros, le temps passe trop vite. Non, c'est les gars, non, là, tu le temps il passe trop vite. C'est terrible. Mec, même moi, ça me casse les couilles. Le temps, je vois pas passer. Ah ouais, donc. Ah, il y a beaucoup de gens. Ah ouais, cool, il y a la team. Donc la team se rappelle. Ceux qui étaient pas là, vous allez voir. En vrai, c'est kiffant de ouf. Moi, quand Squeezie m'a dit, viens, on joue à ça, j'ai vu la tête du jeu, j'ai fait, c'est de la merde. Mais voilà. Tu vois, on l'avait trouvé ensemble dans le chat. Et je me souviens que les gens, à chaque live horreur que je fais, ils me conseillent ce jeu, j'avais jamais joué. Et j'ai compris là, quand on a joué ensemble, pourquoi ils me le conseillent. Ouais. Le jeu est bien. Le jeu est bien. Et en plus, j'ai réparé le clavier. Ça veut dire que là, j'ai mis. T'avais quoi? Il était pété la dernière fois? Bah non, mais rappelle-toi, la dernière fois, il fallait appuyer sur W. Là, c'est bon. Ah c'est oui, en mode clavier américain. Ah, du coup, là, tu vas pouvoir faire des. J'ai pouvoir jouer un peu. Un vrai level. Ok. Donc, on fait quoi? Tu commences? Viens, vas-y, je commence et je fais juste visiter les lieux. Ok, là les gars, on fait une game test. On fait une petite visite des lieux et okay, tout, tu vois. Et après, est-ce que tu veux que je baisse la lumière? Ah ouais, on se met dans l'ambiance. Bien sûr. J'aime bien que tu me parles comme ça. Bah, bien sûr. Alors attends, faut juste que je gère la live. Là, on est bon là ou pas? Attends, merde. C'est pas mal. Attends. Là, on est bon, les gars, vous voyez bien? Tu veux que je mette encore moins de lumière? Je pense, mais tu peux mettre moins. Tu peux mettre moins, vas-y, je regarde. Attends. Faut que je trouve les lights. Putain les gars, il est en train de pirater les lumières, regardez, il est sur sa tablette. Il est en train de pirater les lights, je sais pas ce qu'il fout. Il est en train de tout gérer, frérot. Qu'est-ce qu'il fait c'est là orange, ça. C'est un jeu mobile ou c'est pour les lights là? Ah c'est teinté, tu vois là, celle-là. Ah c'est pas mal ça, mets-la en rouge elle là. En rouge? Ouais, rouge. Attends. Ah, t'es passé dessus? Ouais, je suis passé dessus. C'est bon, je suis en rouge là. Mais non mais regarde. Regarde la palette, regarde. Regardez là, ouais. Ok, c'est bon. Nickel. Et là, en lumière, on est bon. Je pense que c'est pas mal. Tu peux baisser elle J'aimerais un peu. J'aimerais bien baisser celle là-bas, là. Ouais, ah, celle du mieux, là. Celle-là, là, qui est en face de nous. Tu peux la baisser encore, attends, je pense. J'essaie de trouver. Ok. Je pense, hein. Alors, attends. Le switch RGB. Ça doit être celui-là. Celle-là, je la baisse. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux. Bah, ouais, on nous voit encore, hein. Tu veux que je baisse comme ça? Les gars, c'est bien comme ça ou pas, le chat? Bon, on nous voit. Honnêtement, on nous voit, hein, frérot. Ouais, on est beaucoup moins dans le noir que la dernière fois. On nous voit bien là. Ouais. La dernière fois, c'était chaud, mais là, on nous voit. Là, c'est bien, en vrai. Il y a l'ambiance tamisée. Un peu Netflix and chill. C'est magnifique. Vas-y, commence. J'ai changé d'avis. Ah, je commence. Commence, mon frérot. Ok. Donc, on met le son sur les enceintes. Dites-nous si ça marche bien. Merci beaucoup, A12. Merci. C'est pas aléatoire. Il y a 6 emplacements. Mais si, mais les trucs à trouver changent d'endroit, je crois. Selon les. En fait, une game, c'était combien de vies? 3 vies ou 5 vies chez vous? C'est 5 nuits, je crois. Il y a pas un bail de nuit. Ouais, c'est ça. Il y a un bail de nuit. Il y a un bail de nuit. C'est 5 nuits. Attends. Et donc, quand tu meurs, tu passes à la nuit suivante. Ok. Je vais nous mettre la cam à gauche. Là. Et après ça, tu meurs et tous les objets changent de place. Ce qui rend le truc très relou. Et on avait essayé en quelle difficulté, tu te souviens? Normal, je crois. Tu es en normal? Ouais, je crois en normal. Okay. Là, je suis bon. Les gars, la cam, ça vous va ou pas? On est bon là sur la cam, je pense. On est bien, je pense, c'est nickel. Je vais mettre un peu plus comme ça. Là, on est pas mal, hein. Les gars, vous en pensez quoi? C'est bon ou pas, le chat? Merci beaucoup, Rusty. Inox Quiz, venez à Perpignan, au quartier Nasdas. Merci, mon ref. J'aimerais bien aller partout, frérot, mais ça va être compliqué. J'adore, aussi. Mais tu sais comment ça fait du bien de voyager, genre. Ouais, c'est trop dingue. À La Réunion, bah là, c'est incroyable, mais ça t'ouvre tellement l'esprit et tout, ouais. C'est très chouette. Hein. De ouf. Et en plus, t'es sensible à découvrir les cultures et tout. J'ai vu, t'as fait intervenir Jamy et tout. Ouais. Ah, t'as vu le passage? Ouais, c'est vrai qu'il y avait Jamy. Encore merci à Jamy qui était passé dans la vidéo. Bon, allez, c'est parti. Tout est parfait, ils me disent. Donc, à nous de jouer maintenant. C'est okay. Parti. Alors, attends, go. Alors, niveau. Alors, difficulté. Regarde, difficulté en haut à gauche. On met en quoi? Est-ce que le son, c'est bon, le chat? Mais en normal. Mais en normal. Je pense en vrai, normal. Frérot, on n'est pas des merdes. C'est un jeu qui fait grave peur ou ça passe? En vrai, ça passe, non? Non, ça passe, ça passe. Ça passe, les gars. Il y a pas de screamer. Vous verrez, il y a pas de screamer. C'est pas comme FNAF pour les cardiaques et tout. Vous verrez, les gars, ça va. C'est tranquille. En du facile, elle va plus lentement. Il y a pas le sol qui craque. Et j'ai failli positionner une normal. Et là, opportunity to get a bonus day. Je sais pas ce que c'est. Moi, je pense en normal, on peut le tenter. On avait mis normal la dernière fois. On avait mis normal et ensuite on avait mis facile. Frérot, on est des vrais hommes. On est des vrais hommes. Vas-y, go. Normal. Allez, hop, c'est parti. Je pense normal, c'est, tu vois, au moins on sauve l'honneur. Parce que les gens avaient dit qu'en hard et en cauchemar, c'est genre impossible. Impossible, ouais. Non, faut au moins qu'on puisse. Faut que tu me rappelles les trucs du jeu. Bah tiens, explique comme ça. Alors, en gros, faut pas faire de bruit. Parce que dès qu'on fait du bruit, elle vient. Dès que tu fais du bruit, elle vient. Tu peux te cacher sous les lits, souviens-toi. Tu peux te cacher aussi dans des placards, souviens-toi. Ah oui. On avait trouvé plein d'items, mais on n'a pas compris quel item sert à quoi. Ouais. Par exemple, souviens-toi, dans le grenier, il y avait une espèce d'araignée à un moment. Elle nous a buté, tu te souviens? Non, mais gros, il y avait trop de dingueries. Il y a trop de trucs. Il y a des trous et tout. Il y a aussi des passages secrets pour passer d'un étage à l'autre sans risquer de croiser la grand-mère. Ça, c'est là. Et il fallait qu'on trouve. On pouvait. Qu'est-ce que c'est? Ok, non. Leave this house.
Je fais les bruitages. Ça c'est quoi ça? Ça c'est pour faire du bruit, c'est pour l'attirer quelque part. Ah mais là je suis mort là. J'ai non mais là tout. Voilà, ça c'est le placard dans lequel tu peux te cacher. Elle est là. Va te cacher. Cache-toi. Elle va ouvrir. Bon voilà, vous avez compris. C'est la visite, vous avez vu. Oh la game de merde. Ouais, on est resté trop longtemps dans la même pièce. Non, ouais, les gars, ça a pris trop de temps. Donc là, c'est day 2. Day 2, et il y a 5 tests. De toute façon, là, c'est game test. Frérot, on va y arriver, je te dis. Donc les gars, dès qu'elle vous voit, vous faites trop de bruit, elle vient. Elle vient, elle vous met un coup de matraque, c'est terminé. Et il y a 5 nuits par game. Donc là, on vient de perdre une vie, il nous reste 4 vies avant que tous les objets changent de place. C'est des nuits. Elle peut aussi poser des pièges à ours par terre. C'est pour ça qu'il faut qu'on écoute des fois. Ouais. Et nous, notre but, c'est de trouver des objets qui permettent. Alors là, il y a une clé. J'ai une clé. Là, on a une clé. Et le but, c'est qu'on mette tout au même endroit, non? Là, je pense qu'elle va pas tarder à monter, genre en tapis. Waouh! Oh la pute, en gros. Oh là, j'ai trop. Ça va aller, sinon? Ah ouais. Non, mais mets un peu plus fort, sinon. Non, mais... Mets un peu plus attends, fort, sinon tu l'entends pas, ouais. Attends. Là, j'ai eu trop. Ouais, pourtant, il y avait pas un screamer de baiser, mais j'ai eu une petite sensation là. On va y arriver. En fait, faut qu'on entende le son de jeu. Les gens l'entendent via le micro qu'est là ou pas? Ah mais on peut mettre archi fort, mec. Est-ce que les gars, ça vous dérange le son? Il y a un écho ou pas? Il y aura certainement un petit écho, mais donc la clé, on l'a laissée là. Je pense que là, sous le lit, comment on se baisse? Je sais plus. C'est R. Ouais, R. Ok. Tu vois les. Et là, tu vois, c'est instantané. C'est ça qui tue. Tu vois, par rapport au casier, bah, ouais, c'est instantané. Sur R, clac. Ouais. Alors que le casier, tu rentres et t'appuies, c'est plus lent, tu vois. On entend. Que je suis là ou pas? Les gens entendent pas trop. On va régler ça après lors de la prochaine game, les gars. Non, t'es caté. Là, tout est bon ou pas, les gars? Le son, on entend rien. Non, c'est bon. Non, c'est bon, non, je crois que les gens entendent. Il est pas assez fort, monte le son. Non, c'est nickel le son. Merci, Squidaz. Non, c'est nickel. Bon bah nickel. Tapez 1 si le son est bon. Tapez 2 si c'est pas bon. Monte le son. Après là y'a pas beaucoup de son en soi. Non là y'a pas beaucoup de son mais il devrait entendre quand même. Elle est encore là hein, donc ouais, tu peux pas bouger là. On peut pas bouger. Bon les gars j'ai peur, je mange des chips, je vous le dis direct. Ok. Mais là elle a mis un piège. Là elle a mis un piège. Voilà. Là elle a mis un piège. Donc là faut faire Bélec. Ouais. Donc là attends, je peux passer ou pas? J'ai peur que. Attends mais elle va où là? Vas-y là sors, barre-toi, descends les marches. Descends les marches. Ferme. Descends les marches. Descends les marches. Descends les marches. Let's go. Donc là, il y a la porte d'entrée, on vient de passer devant. Oh putain. Oh la dinguerie, dégage. Va. Oh la dinguerie, il y a une cloche. Je vais où? Va en bas. Sur toi, il y a un passage. Ah, si, oui, il y a là, un il passage, est il est là-bas, je crois. Donc là, faut pas qu'il nous suive. Ah voilà. Voilà. Et là, c'est le garage. Et tu te souviens, il y a un fusil à assembler. Ah oui. Là. Elle va venir. Oh, elle va venir, frérot. Il y a un fusil à et le sauna, tu te souviens le sauna? Ouais. Et je crois que tu peux l'enfermer. Je peux l'enfermer dans le sauna, vas-y. Mais cache-toi là, j'attends qu'elle passe. Ouais, et on l'enferme. Et on l'enferme. Dans le sauna? Ouais. Alors les gars, dans le parking, je me souviens ce qu'on peut trouver. Okay. Il y a un fusil à 3 pièces à trouver. La crosse, le canon et l'entre-deux, je sais pas comment ça s'appelle. Elle est là. Elle est là. Je fais quoi là? Je monte? Attends. Non, là si tu sors, t'es mort. Le but c'est les gars, c'est de finir le jeu, hein. Non, impossible, elle te trompe. Ok, elle repart. Donc, soit t'as le fusil au garage, on sait toujours pas à quoi il sert le fusil. Ouais. Tu te souviens, on peut l'assembler. Soit dans la voiture, souviens-toi, il faut trouver la clé de la caisse, de l'essence et je sais plus quoi pour réparer la voiture. Donc, je pense qu'il y a une fin, c'est on monte dans la voiture et on fonce dans la porte du garage, on se casse. Il y a une fin, c'est on ouvre la porte d'entrée et il y a une fin, c'est on a un fusil et on la bute. C'est les trois fins, je pense, possibles à l'heure actuelle, tu vois. Donc là, faut voir les items qu'on a l'opportunité de prendre et on se les met. On voit les items et on choisit direct. C'est quoi 2? Pourquoi les gens ils disent 2? 2 c'est le son qui va pas. Mais normalement c'est bon le son, non? J'ai plein de gens ils m'ont mis 1. Ah non, vous ferez le 2 et le 3. Mais attends les gars, pourquoi vous mettez 2 là? Y'a quoi qui va pas le chat? Frérot, y'a rien qui a changé depuis la dernière fois les gars. Non il y en a 2. Ah y'a un mec qui a dit juste non, il y en a 2. Ah y'a Granny 2, ok. Deux. Ok je savais pas, ok. Je crois, je sais bah, pas. Déjà viens finir le 1, on réussit à faire le 1. Ok. Oh! Je sais comment là? T'es mort. Ah non, peut-être en faisant tomber un objet dessus, c'est pour ça qu'on peut drop des objets. Peut-être que je passe. Si je passe. Ok, oh, ça passe. On a pas. Il y avait un move ici, te rappelles? Quand tu bouges ça. Ah oui. Ah ouais, bonne mémoire. Mais comment ça compris Squeeze? C'est. Let's go. Ok, donc là peut-être qu'on va avoir un truc. Donc là on vous montre un peu tous les trucs. L'arrière, il y a un truc là. Special K. Ça c'est la clé de quoi? C'est la clé de quoi le chat? C'est la clé du coffre, non? Qui est juste à côté. Non? Tu crois? Bah je sais pas mec, regarde, c'est une clé chelou, c'est pas une clé de porte.
Ça, les gars, c'est une clé de quoi, ça? Vous savez ou pas? C'est la clé du coffre, non? Je crois que c'est la clé du coffre. C'est toujours pas assez fort. Bah attends, on va devoir mettre plus fort encore. Pourtant, je pense que le son... Là, les gars, le son, j'ai peur que ça soit trop fort. Ça va nous déglinguer, là, les gars. Là, vous entendez, mais si y a un screamer, vous allez prendre très cher, les mecs. On va tous prendre cher. Après, c'est le jeu. Ça, c'est le grenier, ils disent les gens. C'est le grenier, ouais, c'est le grenier. Non, la clé sert pour le grenier. Ok. Bah alors, on la met où, tu penses? Je sais pas, mais tu sais, faut monter tout en haut. Et l'araignée, j'ai vu des gens dire qu'il nous faut le fusil pour la buter. Pour la buter, ok. Ouais. Le grenier, c'est la clé du grenier. Et le grenier, c'est en bas, hein? Non, c'est en haut. C'est quoi le grenier? C'est en bas ou en haut? C'est en haut. Ah merde. Ok, viens, va en haut alors. Il est tout en haut, il est tout en haut le grenier. Ok, bah viens, va en haut alors. Vas-y. Donc il faut la clé pour l'ouvrir. Et ensuite il faut choper le fusil pour buter l'araignée. Ok, donc et l'araignée là, elle nous one shot. Donc là on monte, t'es d'accord? Ouais. Là c'est trop fort. Ah, oh, putain, chat. Ok, je crois qu'on a un bon entre deux là. Ok, si elle débarque de là, t'es instant mort. Là j'attends. Ouais. Qu'elle passe. Ouais. On l'a entendu. Oh bah wow, sa mère elle a... Wow. Oh la salope. Oh mais que genre elle peut faire ça? Quoi? Non, attends. Les gars, genre elle peut faire ça. Non, là du coup c'est trop fort, je pense. Et je sais pas, bah là oui, mais après le reste du temps, là ils ont pris cher. Non, le fusil, quand tu lui tires dessus, durant un certain temps, elle est morte et elle peut aussi construire une arbalète. Et tu peux aussi construire une arbalète, ouais. Ok. Attends, mais du coup. Ah bah, là, y'a du monde pour dire que c'est trop fort, hein? Hein, chat? Ouais, bah là, vous avez voulu faire les malins. Normal, les gars, hein, ça nous a fait bader aussi, frère. Évidemment que c'est trop fort, nous aussi on a pris cher. Mais du coup, il est où l'item, Squeezie, quand je suis tombé là? Bah là, c'est. T'es bon. Mais gros, j'étais bloqué là. Laisse-moi prendre le prends le relais, parce que moi, frère, je suis bon pour t'aider à te guider, mais je comprends rien en fait. Day 5. Attends, non, finis ta game, je crois que c'est fini ma game. Attends, t'as posé une bonne question. Est-ce que le truc est tombé là où t'es mort? Ouais, il est là. L'item est là. Non, c'est pas lui, non, c'est celui lui. De tout à l'heure. Les gars, l'item du clé de la coffre, c'est quand je meurs, il est au même endroit ou pas? Est-ce qu'il est... Oui ou non? Est-ce que quand il se re-tp bah, ou attends, pas? On va voir. Okay. Ah non, c'est bon, il est au même endroit, donc ça c'est cool. Ok, ça c'est cool. Déjà, prends-le, va au grenier, comme ça on avance sur le ah, truc oui, du grenier et on se rappelle de... Oh mec, t'as un timing. Oh le timing de baiser. BG mon frère. Oh le timing oh, de baiser. T'es un putain de BG. Est-ce que les gars vous pensez on le finit ce soir le chat? Mais bien sûr. De toute façon on coupe pas live tant qu'on l'a pas fini, je te le dis direct. Oh le call. Le chat, est-ce qu'on coupe pas live tant qu'on l'a pas fini? T'as call là. Ça me va. Dans deux heures c'est plié. Ça j'aime bien, c'est la mentalité de gros geekos, j'adore. Mais frérot, évidemment on va le finir. Ok alors attends, c'est bon, elle s'est barrée. Ok. Là le grenier il est en face à gauche. C'est là-bas là. Laisse-la un peu se barrer. Bah, elle a mis un piège, la bâtarde. C'est bien, là t'es discret, t'avances doucement. Ok, parfait. Ouh, là ça va grincer, elle va revenir. Là part du principe qu'elle arrive. Ouais, là elle arrive, faut que je me cache. Part du principe qu'elle arrive. Ah oui, tu te souviens? Comment? Faut que tu pousses. Baisser, voilà, avance, appuie pas sur eux. Reste là-dedans, elle peut pas venir. Là elle va arriver. Recule un peu, un poil, sans tomber sur le truc. Ok, stop. Elle va arriver, mais elle peut pas t'avoir quand t'es là-dedans, elle peut pas se baisser. Ah oui, donc là on est tranquille. Non, je crois, hein. Là elle est là. Éteins la torche. Tu peux l'éteindre? Non, on est mort. Attends, je regarde le mur. Merci Fernandino. Non, trop flippant, regardez. Elle a mis un piège, j'ai entendu. Ouais. Elle a mis un piège. Ouais. C'est quoi qu'il y a par terre? C'est quoi ça? Appuie sur eux. C'est un bout de tableau. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh putain. Désolé, c'est ma faute, désolé. On a fait du bruit là. Elle arrive, hein. Tu vois, elle peut pas tuer. Non, elle peut rien faire. Tu vois, elle peut pas tuer. Mec, elle est sacrément moche, hein. Elle peut pas te tuer. T'es pas c'est chico. Mec, sa voix elle est horrible. Elle vient de t'insulter, frérot. Elle a dit quoi là? Elle a dit je te baisse, toi et ta sirène. Et elle est partie. La tête de what elle a dit ça? En anglais, ouais. En anglais. Moi, je te jure, c'est vrai. Moi, c'est une dinguerie. Ouais. Ok, va à gauche. Là, tu peux pas ouvrir. Oh, merde! Va te cacher. Oh, t'es mort. Ah, j'aime pas cette situation! Eh, gros. Rien que tu jettes un mini truc, t'es mort. Non, c'est terrible. C'est attends, baisé. Vas-y, on va y arriver. On va y arriver, bordel. Attends. Là, je te laisse le clavier. Toi, tu maîtrises bien ça. Moi, allez. Moi, je t'accompagne, je suis le commentateur. Ok, les gars, c'est bon, vous inquiétez pas. C'est Squeezie qui prend le relais. Elle est morte. Elle a vraiment une voix de merde. Eh, gros, elle m'a fait peur. Allez là, mais attends, mais gros, pourquoi elle nous tue pas là? Je sais pas.
Ah, attends, je crois qu'elle nous, elle nous met une claque et on tombe. Oh, et on tombe. Oh. Elle t'a mis Will Smith. On s'est fait, Will Smith, frère. Will Smith aide. On avait pas fait une blague. Oh là, Will Smith, qu'elle t'a mis. Ok. Ok, les gars, là, on vous a montré vite fait le jeu. Maintenant, c'est parti. Allez. Donc, on l'encule. Je veux voir ce qu'il y a au grenier. Je veux voir ce qu'il y a au grenier. Oui, oui, allez. Oh là, Will Smith. Frérot, je suis chaud. Les gars, on va finir ce jeu. Plus jamais elle ne Will Smith, je te le dis direct. Allez, day 1. Gros, on a 5 vies, gros. Faut les utiliser à bon escient. Je dis pas que ça va être The Run, mais au moins on va mieux comprendre le jeu. Vas-y. Oui, oui, on s'en fout, c'est pas grave si on reste. Ce que je vais essayer, c'est tous les objets que je trouve, je les fous au même endroit. Voilà. Et comme ça, on a une mine d'or d'objets. Attends, faut le mettre à un endroit stratégique. Pour moi, c'est en haut d'escalier. Ok. Elle arrive. Pas déjà. Bah là, elle va pas tarder là. T'inquiète. Mieux vaut être trop prudent T'as raison. Que pas assez, tu vois. Elle arrive, on l'entend. Bonne chance, merci les gars. Tellement contente de vous voir ensemble en live. Merci Sabrina. Depuis le temps qu'on se dit qu'on doit finir ce jeu. Ah ouais, c'est clair. Elle est là, elle se barre. Donc je pense, quel est l'endroit qui est au milieu de tous les endroits possibles de la maison? Il y a un sous-sol, soit en bas de l'escalier, soit en haut de l'escalier. Soit en bas de l'escalier, soit en haut de l'escalier. Les gars, vous en pensez quoi? C'est où le lieu où on doit mettre tous les items? En fait, non, mais en fait, il y a 3 levels. Donc il y a le rez-de-chaussée, le sous-sol, le premier étage et le grenier. Il y a 4 levels. Donc en fait, tu seras jamais de part et d'autre du truc en fait. Pour moi, je pense qu'il faudrait le mettre en bas des escaliers. Hein. Elle est là-bas, tu l'as vu? Tu l'as ouais, capté? Je la vois. Fais attention, le parquet grince. Hein. Oh putain, elle t'a fait un fake. Bon bah, vas-y, je vais en bas. Je fonce en bas, frérot. Hein? Vas-y, nique ça. Oui, bah oui, va en bas, elle est en haut. Fais gaffe, ça c'est un piège. Ouais, t'inquiète. Mais en fait, de toute façon, une fois que tu l'as fait, il peut plus se refaire. On va voir tout en bas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au début de l'escalier, il y a des trucs qui font sacrément non, du bruit là, non, mais là au moins tu te safe. Ouais, et là au moins il n'y a pas de grincement de plancher. Ouais. C'est-à-dire quand elle se barre, tant que je fais pas tomber un truc. Ouais. Donc, déjà, quand on fait un bruit, il reapparaît plus. Ouais, et elle vient forcément, quoi qu'il arrive. Direct. C'est sûr qu'elle vient, genre il n'y a pas de hasard, tu vois. Mec, faut être patient, les gars. Les jeux d'horreur, faut être patient, je vous jure. Faut être patient. Parce que le but, c'est qu'eux, ils veulent te faire stresser pour que tu fasses le ouais, exactement. Exactement. Donc là, elle va mettre son petit piège là-haut, elle s'est barrée. On va attendre genre 10 secondes par sécu et on va tester. Et souviens-toi, il y a un passage pour aller dans le jardin, mec. Oui, je me rappelle, c'est où je suis passé tout à l'heure. Tu te rappelles? C'est juste à côté là. Ah oui, je vois où t'étais. Tu pousses et après tu montes, tu suis le truc. Ok. Le bruit compte là ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a un livre. Ah, tu te souviens, il y a un endroit. Oui, je sais où faut le mettre. Donc souviens-toi, déjà ici, tu peux tourner autour de la caisse et tu lui échappes. Ouais. Il y a les balles de pompe. Les balles de pompe, autant les laisser à côté du pompe. Il nous faut 1, 2, 3, il nous faudra en les vrai, 3 le jeu parties. Est méga dur, les gars. On ah, le jeu, est, le jeu, c'est terrible. Y a un truc ici. Ici, y a un truc dans le sauna. Y a rien dans le sauna. Bah, go monter le livre. Vas-y, hein. Ok, passe à droite, normalement ça fait rien. Parfait. Je pense safe le coup. Et c'est piège à elle. Et, ouais, tu vois, c'est ici qu'il faut aller. C'est piège à elle, on est d'accord. Elle peut pas. Mais attends, mets tous les objets dans cette salle parce qu'elle est safe cette salle. En mode, elle peut pas passer. Allez, alors ça. 200 tuiles, le chat, 200 tuiles, les gars. Ça, c'est vraiment maxi BG. Tous les. C'est maxi BG. Oh, c'est quoi? Remote control. Ah, c'est pour. Ah, c'est pour la porte en bas. Frérot, on rassemble tous ces putains d'objets. Ok. On les met tous là. On les met tous là et après on voit ce qu'on fait. Mec, j'aime bien là, je suis hype. Ok, vas-y, et du coup, essaye d'aller de l'autre côté. De monter là-bas. Fais gaffe parce qu'elle va pouvoir arriver là-bas. Jusque là? Ouais, non, par là où elle va. Putain, c'est long bordel. Merci de passer le truc. Il a mis en difficile. Non, t'inquiète, j'ai mis en normal. 200 de puits, bien dit. Et là, oui, les gars. Ok, là, je vais apparaître dehors. Le livre sert à rien, Skip. Mais non, c'est un sketch. Ok, graine à oiseau. Ça sert ça? Ouais. Ok. Fais gaffe, elle est dehors. Non. Si. Ah, demi-tôt. Ouais, si, elle peut arriver par là. Je suis sûr. Ok, bon, de toute façon, ok, allons mettre les graines, mais les oiseaux ils sont dehors. Ouais. Bah, faut que j'aille dehors avec les graines, non? Ouais, mais on sait pas ce qu'on doit faire. Bon, vas-y, mettons tout là. De toute façon, quand on peut revenir. Mettons tout là. Moi, je pense que notre strat elle est bonne, frérot. À quoi sert les trucs d'oiseaux, le chat? Moi, je pense ici, 100% bonne strat. Mais oui, elle peut pas venir, gros. Et en plus, t'as accès là-bas et là-bas. Est-ce que tu vas dehors, là, dans le jardin, ou on check tous les objets? Moi, je pense qu'on fait un bruit ici et on va dehors. Vas-y. Oui, t'as raison. T'as raison. Tu vois, genre. Ok, parfait. Oh la strat. Oh le move de génie. Comme ça, elle vient là. Et dehors, faut vraiment pas faire de bruit. Nous, on se barre de l'autre côté.
Comme ça, on sait qu'elle est dans la maison au sous-sol. Ce truc-là, elle peut pas le prendre. Il faut la viande pour l'araignée. Ok. Ah, je me rappelle de la grosse viande. Elle est là-bas. Dans le jardin ? Il y a une mini-maison dans le jardin et normalement, il y a la grosse viande de l'araignée. Là, elle est dans le sous-sol. Tant que je fais pas de bruit, ici. Ouais, mais là, tu vas péter la porte. Donc, dans tous les cas, tu vas faire du bruit. Non, regarde. Pas trop de bruit. En vrai, ça va, ça le fait, je pense. Ok. Fais gaffe, ne marche pas sur le fil. T'es un beau gosse, ouais, putain, ouais. Je l'avais pas vu. C'est fil de sonnette. C'est quoi ? Je sais pas. Un puits, je pense pas qu'il y a des trucs dedans. Wesh, pourquoi il y a le bruit d'elle ? Elle est en dessous ou elle est dans le jardin ? Faut la donner à un oiseau, il va te donner un truc. Il va me donner quoi ? Il y a eu un bruit là ? Oui. C'est moi qui ai fait ce bruit ? Non, c'est elle. C'est elle, frère. Jure ? Ouais, c'est elle. Parce que c'est archi long de redescendre, frérot. Vas-y, fuck. Mais je sais pas où elle est. Elle a mis un piège, c'était un bruit de piège, je suis con. Ça, c'est un compost. Ah, je peux te cacher dedans. Oh non, parfait. J'ai fait du bruit. T'as fait du bruit là, tu penses à quoi ? Je sais pas, viens, on attend 10 secondes au cas où. Ok, là, il y a une clé à trouver pour le cadenas qui est là. Okay. Ah, et bah voilà, et ça, il y a la viande pour les araignées, je crois. Ok. Il y a une pièce spéciale, c'est pour le corbeau. Il y a une salle secrète et il y a un corbeau, tu le nourris, il garde un objet. C'est quoi ce bruit chez toi ? Il garde un objet ? Ouais, je sais pas, il y a des gens qui me disent graine à oiseau, c'est pour le corbeau. Il y a une cage à oiseau qui protège un objet. Ok. Non, je pense qu'on va avoir un objet dans la cage à oiseau. Ouais, gars. Peut-être, je sais pas. Oui, en mode, il y a un objet. Ok, on n'a pas le cadenas. Je me remets au cas où, je sais pas. Je préfère me recacher au cas où. Mais ok, il nous faut la clé de la putain okay, de truc. Ok, je pense qu'il faut qu'on explore la maison. Vas-y, go. Non. J'ai serré le cul. Non. J'ai serré le cul. Non. Non, elle va pas venir. Non. Elle t'a entendu, mais elle va pas venir. Oh, j'ai serré le cul. Oh, les gars. Non, elle va pas tuer. Elle va se barrer. Ok, let's go. Ok. Attends, elle se barre, si par, elle la se barre par là, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Si elle se barre par là, c'est parfait. Tu penses le jeu l'a fait téléporter ou pas ? Je pense quand même, non. Ah putain, bonne question. Il y a moyen. Je pense que le jeu l'a fait. Il y a moyen. Ok. Ok, pour l'instant, on gère. On est petit. On y va petit à petit, mais sûrement. One life. Voilà, descend. Allez. Ok, parfait. L'oiseau est dans le grenier. Non, mais dans le grenier, il y a pas mal de donc, trucs. Déjà, là, on peut se dire, on a exploré basement et jardin. Ouais. Maintenant, on va faire rez-de-chaussée. En bas, on a tout pris ? Bah, je sais pas, on va checker vite fait, mais je pense qu'on est pas loin d'avoir tout pris. Je pense qu'on a tout pris, en vrai. Après, je me rappelle, il y avait des égouts dehors. Il y a un passage là, tu veux qu'on prenne ? Ouais, viens, on le prend. On va faire du bruit, par contre, mais elle peut pas passer. Fuck. Elle va prier. T'attends qu'elle arrive par là et tu passes par l'autre côté. Ouais, j'attends là. Okay, voilà, ça, c'est un move de génie, en fait. Allez, tu envoies. Et là, t'es tranquille. Et là, normalement, il y a un truc là, dans ce coin là. Théma, à gauche. Ah, c'est quoi ça ? C'est un truc secret. Bah, tu vois, elle est là. Elle remonte. Elle là, tu peux pousser ça normalement, non ? Non. Il y avait un carré, je me rappelle. Il doit y avoir un. Faut un tournevis. Ok, le tournevis, c'est pour ça, t'as capté ? Tu l'as le tournevis ? Non. Mais on sait. Là, tu pouvais monter, hein. Il y avait ouais, mais j'ai peur qu'elle fasse le tour. Ah, oui, ok. Tu captes ? Ouais. Est-ce qu'elle est intelligente ? À ce point ou pas ? Ouais, gros, elle est pas conne. Tu penses qu'elle connaît mais t'inquiète pas, elle connaît la maison. Elle a vu, elle a d'expérience, elle est bien. Ouais, pour moi, elle va arriver de l'autre côté. Tu penses ? En plus, ça fait du bruit avec le tournevis. Viens, on va check, hein. Vas-y. Ouais, ça fait peur. Ouais, là. Ça fait bader. Elle arrive dans le coin. Si on a un bad timing, frérot, c'est terrible. Bah, 1, 2, 3, prends tes couilles. C'est bon. Fais gaffe, fais pas ton escalier sur l'étage. Là, la porte, tu peux l'ouvrir, je pense. Ok, moi, je serai toi, je fais demi-tour là. Je regarde ce qu'il y a dedans et je fais demi-tour. Ah, c'est ça la viande. C'est ça ? Non, je peux pas. Fais demi-tour ? Je peux pas la prendre. Fais demi-tour ? Elle va arriver ? Je crois pas, mec. Hein. Ah ouais ? Mais de toute façon, t'es trop strat. Elle peut pas arriver par l'autre côté là. Donc t'as juste là, à descendre. Là, on est bien, frérot. Regarde, là, on est archi bien. Ouais. Check les tiroirs. Oh, clé. Ok, vas-y, on l'amène dans la salle. Ok, elle sert pas à ça. Les gars, elle sert à quoi cette clé ? Le problème, c'est qu'il y a trop de clés. Du coup, on va devoir tester. Ouais, mec, mais il y a trop d'éléments, les gars. C'est délirant. Hein. Mais vas-y, viens, on la met là-bas. On va tout mettre. Et elle sert à quoi, les gars, cette clé ? Si vous pouvez nous aider, c'est carré. La porte derrière la viande. Ah ouais ? Je crois, ouais, il y a une autre porte. Derrière la viande. Ah, vas-y, bah go ! Elle était là, la viande, mec, on a trop de chance. Mais attends, la clé, c'est pour ça ? Bah frérot, on a full chat. Vas-y, va voir. Frérot, j'ai peur de fou, là. Ça va faire du bruit. Let's go ! On est mort ? Ouais.
Par toi. Je fais quoi? Descends. Descends. Je suis mort. Dans les égouts, descends. Avance. Je peux pas ouvrir. Là, Sneak Noir, attends qu'elle vienne. Let's go. GG le chat, GG. Un max de GG, je vous suce. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus. Merci à tous ceux qui sont là. Fais attention, attends qu'elle vienne avant de sortir. Mais là, elle peut pas. Ah, elle peut pas venir. Ah ouais, ok. Oh la Mais là, elle peut descendre de là, non? M'en veux pas. Non, ça, c'est un passage. Si jamais elle vient dans le jardin et qu'on est dans la merde. Elle peut descendre, elle ou pas? Le chat, elle peut descendre, taper bah, un si elle descend, on a gagné le jeu. Elle peut pas descendre. Parce qu'elle peut pas ressortir par là. Donc si elle descend, on a gagné, on a win le jeu. Ah bah oui, ah oui. Mais elle peut pas descendre. Oh, j'ai hey oh oh. Ce serait où? Ah, non, ce serait le rêve. Elle peut pas le voir. Ah, Skip, c'est la clé de la voiture. Non, bah non, ça vient d'ouvrir le placard. Non, je pense que ça ouvre juste tous les placards. Ça ouvre peut-être le passage secret que t'as vu juste avant. On va aller voir. Vas-y, viens, va voir. Par contre, ça, c'est le pire. Moi, ça me fait peur, là. Ça, c'est vraiment la pour merde. Pour moi, l'eau, ça fait du bruit. Elle est pas loin, je te le dis direct. Hein, c'est quoi, à gauche, sur le mur? Derrière. Là, il y a un truc. Ah, il y a une pièce. Oh, faut tirer dessus avec quelque chose. Avec un flingue. C'est ça, les gars, faut tirer dessus avec un flingue? Ou une arbalète. Oui, ou une arbalète. Il y a un item dans cette salle? Je sais pas, viens, on check. Ça fait du bruit ça ou pas? Oh mec! Oh il est là le corbeau! Vas-y, go aller chercher les graines! Non, j'ai fait du bruit. Ouais, gros, c'est bon, on a le move! On a le corbeau, on a les graines! Donc viens, on débloque cette étape en vrai! On la débloque maintenant, okay, l'étape on va faire ça! Ouais, viens, on le fait maintenant! Chaud! Et comme ça, il va nous filer un truc! Imagine, il nous file un flingue et on peut tirer sur le. Oh là, c'est trop baisé! Le corbeau, il dit le débloque! C'est un truc comme ça! Ce serait incroyable! Ce serait. Le corbeau, c'est un mec de cité carrément! Ce serait charmé, frérot. C'est le géant du bloc, le corbeau, les gars. Ah, je kifferais, je te le dis, je kifferais. Oui, il y aura une cible. La porte s'ouvre avec un fusil. Je pense que c'est bon, en vrai. J'appuie sur Shift, ça me bloque. Ok. Bon, vas-y, on y va. Ouais. On porte nos balls. Allez, ouais, Maxi Balls. Porte nos balls. Maxi Balls. Gros, on pose la clé dans notre lieu. On prend les graines. Est-ce qu'on ouvre ça? J'ai besoin d'un marteau. Ok. Ça fait pas de bruit, ça, normalement. Merci beaucoup, Zonality. Merci, frérot. Ok, tant mieux. Ouais, tu le fais maintenant, tant mieux. Ok, vas-y, on va poser ça. Attends, non. On va ouvrir l'autre placard qui est face au truc des tournevis. Il est là. Il est juste là. Ouais, il est là. Mais j'attends parce que attends, elle on l'a pas vu depuis longtemps, frérot. Ah, tu vois, elle est là. Where are you? Elle est là. Mais comment on la broie cette mamie, frère? On la broie. Et là, on fait une belle game, hein. Non, c'est la bon. Première nuit, hein. Oh, waouh, relou. Non, mais je crois qu'elle l'a mis à l'envers. Sûr. Imagine, il marche pas. Oh, ce serait ouf qu'elle soit nulle. Eh, les gars, est-ce qu'il marche quand même? Et si je le mets, si je drop ça dessus? Vas-y, essaye. Where are you? Elle arrive. Mais elle va se le manger ou pas? Non, je te reviens quand tu vas à la réunion. Merci beaucoup, Wayne. Merci, mon ref. Yves, in, merci pour ta donnée. Mais attends, viens, je fais ça. En vrai, quoi? Bah, je le mets là. Deux. Comme ça, elle va faire le tour. Ah bah oui. Non? Bah oui. Ça marche ou pas, ça? Bah, c'est sûr que oui. Oui, bah oui, c'est bon. C'est bon. Tu peux peut-être... Vas-y. Elle va faire le tour, c'est sûr. Jamais elle revient, là. Where are you? Pour moi, c'est les clés de la voiture. Non, les abos, ça. Ils m'ont dit c'est ah les ouais, clés de la voiture. Ah ouais, tu penses? En fait, la porte que t'as ouverte tout à l'heure, c'était une porte sans clé. Ok, vas-y, on va check. Je savais pas. Go, allez. Ah, mais du coup, putain, du coup, elle est là maintenant. Putain. Merci, Marius. C'est quand saute? Ok, vas-y, on va la mettre là. C'est quoi saute, mon ref? Merci, frérot. Ah, saute, c'est Sea of Thieves. Ouais, Sea of Thieves. Ah, ok. Ok, ça, c'est fait. Du coup, on peut faire le tour. Ok. Pose-la dans la salle à droite, non? Ouais, ah non, d'abord teste la voiture alors. Oh putain, elle est là la salle. C'est rien du tout, frérot. I see you! Elle est explosée, mon gars. Alors, tu penses que ça va marcher là? Je sais pas, mec. Boîte à gants, y'a rien. Moteur. Mais pourquoi il dit c'est la clé de la voiture? Il nous faut des bouts de moteur ici. Mais. Frérot, c'est pas la clé de la voiture. Les gars, c'est pas la clé de la voiture. J'ai peur qu'elle arrive là. Non, y'a aucune. Franchement, aucune raison qu'elle arrive. Merci à tous ceux qui sont sur le live, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. Merci les BG. Ça c'est sympa, les gars. Ça c'est sympa. Merci Squeezie d'être avec moi pour finir ce jeu. Frérot, je me régale. Gros, je te dis, on quitte pas cette putain de pièce.
sans avoir fini ce jeu. Bon. En plus, je sais que le live va finir tard et qu'il y aura un indien à la clé. Ah oh ouais, frérot, ça va être notre récompense, ouais, je te le dis direct. Ok, on va à l'oiseau, on est d'accord? Ouais. Vas-y, go. Et attends, c'était par où l'oiseau? Oui, c'était par là-bas. L'oiseau, ouais, là-bas. C'était en face. Merci beaucoup, Lupine. Courage, les BG, il est hyper badant ce jeu. Merci, Mélissa. Bah, en vrai, il est hyper dur, je pense. Coffre, ils me disent que c'est clé du coffre. Ok, on fait les oiseaux, les gars. On va faire les oiseaux, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir l'animation que ça fait quand tu donnes le. Pareil. Le truc là. Ok, t'as fait du bruit, elle va arriver, fais Bellec. T'inquiète, t'inquiète. Le temps que tu donnes mal oiseau. Ta. Fils de chien. Sale piaf de merde. Ah, le piaf de merde. Attends, je rêve ou tu voulais donner de la graille, t'es enculé. Mais quel bâtard celui-là. Attends, les gars, vous m'avez. Vous nous avez pranké. Non, chat. Les gars. Je vais en time out. tu vas mettre mon dos, je vais en time out 2-3, je vous le dis tout de suite. Il y a un mec qui dit donne-la les graines pour le piaf il nous encule. Frérot, c'est quoi ça, les gars? Ouais, mais trop gentil, trop con, Squeezie. Non, mais c'est une dinguerie. Le mec, on lui ramène la graille. Frérot, on lui donne à manger, nous, il nous croque. La gamelle. Attends. Dans le bol. Non. Ah, c'est le bol en face. Il y avait un bol. Mais si, retourne-y. Frérot, j'ai plus confiance dans l'oiseau. Pot. Il a tout gâché, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance à le tarba, les gars. J'ai plus confiance. Il nous a enculé. Je vais lui mettre ces graines là, il va venir les chercher tout seul. Oh putain, ça se trouve, ça fait du bruit. Elle est là. Where are you? Everything's gonna be good. Oh, elle est là. On a bien fait, mec. On a bien fait de se casser. Hein. Et là, par contre, on est vraiment dans la merde. Il nous faudrait une échelle. Ce serait fou. Je pense pas, il y a. Mais là, le temps qu'elle se barre, ça a cassé les couilles. Ouais, là, ça a cassé les couilles. Ouais. Mais il y a une assiette en face. C'est là où là, on a posé les trucs, c'est un truc stratégique, ouais, trop bien. Ouais, c'est trop bien. C'est que tu fais du bruit des deux côtés et putain, elle a mis un piège, la bâtarde. Oh non, dans la montée. Ce serait terrible, mec. Comment t'avais fait pour te défaire du piège? T'attends. Vas-y, tente, avance. Ouais, attends, elle est en train de monter là. Where are you? Elle a mis où le piège? Oh la salope. Hé, va bien à gauche contre les murs. Non, c'est quoi ça? La tête de Wom Michou! Frérot, c'est quoi ça? Attends, la tête de Wom, il y a eu un bruit là. Gros, j'ai badé, gros. Moi aussi, je l'ai hanté, moi. Je te prends. Allez, vas-y, on oublie. Frérot, il y a eu un bruit, la tête de Wom, il y a eu un bruit. Vas-y, ils vont me pranker, les bâtards. Putain. Là! Ah ça, ok, merde, ok. Oh putain. Oh là non. Attends, parce que là. Fais gaffe. On est mort. Barre-toi vite. Oh le dieu de cuit, le mec. À l'aller, il le fait skier en retour, il s'en bat les couilles. Fuck. One life. Et attends, l'item il va être où? Bah au milieu de. Michou, je vais t'enculer. Frérot, je te jure. Je te jure, je cours de toutes mes forces dans ce truc. Michou, nique ta race! Et je traverse le mur, frérot. Mais il est pas là, Michou, il est chez ses parents. Normalement, il est pas Webedia aujourd'hui. Les gars, je vous jure, avec Amine, jamais troll. Là, je vous jure, y'a zéro troll. Mais je sais pas s'ils entendent. Je crois pas, ils entendent, gros. J'appelle Michou. Appelle-le, mais vas-y, il est pas là, normalement. Attends, je vais écouter. Non, ou alors ok, il est en silencieux, il est peut-être en silencieux. Le gars qui est derrière le mur, la prochaine fois. On t'encule. On saute à travers la mousse. Je te le dis direct. Putain. Ok. Il m'a fait bader. Ah mec, j'ai détesté là ce qui se passe. C'est horrible. Putain, c'est horrible. J'aime pas cette sensation en plus quand t'es en jeu d'horreur que. Ah ouais. Ça te troll comme as. Ça se trouve. Attends, il y a eu un bruit. Ça se trouve, il essaie de retirer la mousse pour venir nous toucher. Ouais. Mec, je fais un arrêt cardiaque. Appelez direct une ambulance, je fais un arrêt cardiaque, je te le dis. Ok. Ok. Y'a du bruit là. Ouais, elle est pas loin. Je sais pas, mais elle est pas loin. Casse les couilles. Oh, la clé, ça peut peut-être marcher pour la cabane dehors aussi. Oui. Bon, de toute façon, on a fait l'oiseau, fallait le faire un moment. Je vais voir, Maxi couille. De toute façon, on a plus besoin des graines, si. Le chat, on a besoin encore des graines. Il est où l'item? Pourquoi il a fait son radin, le piaf? Pourquoi le piaf il fait son radin? Attends, je crois qu'il faut être à côté. Regarde-le piaf. Mais je sais pas, moi. Attends, je vais me cacher.
La clé c'est pour la cabane dehors. Ok, on va le faire juste après les gars. Mais Michou il est pas là frère. Michou il est pas là. Il a... Je suis sûr il est chez ses parents. Bah les gens ils disent il a fait une story chez lui il y a 5 minutes. Non c'est pas lui, c'est pas possible. C'est... Eh tout me fait peur là. J'en ai marre, je vais prendre pour les gars, je jure la tête de WAM, je fais pas de prank. Ok, elle a mis un piège. Elle a mis un piège. Vas-y, allez, vas-y, la fouf. Cette fois, viens, on se le nique pas. Promis. I see you. Va falloir aller voir la cage. Attends, ils me disent retourne dans la cage. Donne dans l'assiette et prends vite l'objet. Vous tendez à... Ah, je sais, j'ai compris. Ah. Quand tu mets les graines, il sort et tu peux prendre ce qu'il y a dans la cage. Voilà. Je crois que c'est ça. Mais du coup, est-ce qu'elle l'entend à elle quand tu mets les graines? Bah, parce qu'il fait... Elle entend quand tu mets les graines? Je pense, parce qu'il fait... Bon frérot. Eh hey, tu fais bien. Ouais je sais. Pour ça tu l'as fait deux fois, okay, pour que je te dise tu fais bien. Ah en fait y'a un truc qui... Vas-y casse-toi, cavale. Je me casse de là. Oh la pince. Oh la pince les gars. Ok, on l'a. Du coup ça c'est quoi? À quoi sert ça les gars? Je vais pas le jeter par terre parce qu'elle va arriver, ça va être trop relou. I see you. Ça sert à quoi les gars la pince? Le studio a bougé, arrêtez là. Non les gars, arrêtez. Non parce qu'en fait, pour ceux qui voient pas, là il y a un petit trou dans le mur et il y a juste de la mousse acoustique qui est collée. Donc, et ça a bougé. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui a essayé de retirer la mousse pour venir nous faire peur, tu vois. C'est possible. Les gars, à quoi sert la pince? Gani. Hop, voilà, okay, GG. Merci pour les GG les gars. Allez, vas-y, suivant. Donc là les gars, on va prendre la clé, on va ouvrir la cabane du jardin. Allez, let's go, on a des objectifs. Ouais. Là, viens, on va poser ça. Fais gaffe, elle avait mis un piège. Oublie pas. Voilà, il est là. Les câbles. Couper des câbles. I see you. Ah ouais, frérot, elle a mis un piège en travers, hein, mon gars. De toute façon, cette zone, maintenant, on s'en bat les couilles. Ah non, il y aura ça, putain. Ouais. Si tu longes à gauche, c'est bon. Oh le move. On est là. Couper des câbles, hein. Ça sert à couper des câbles. Elle est en haut ou en bas? I see you. Oh le chien. Elle l'avait remis. Elle est trop forte. Là on peut aller de l'autre côté tranquille. Vu qu'elle va aller là où je viens de faire tomber le truc. Voilà. Là on ça claque, on met dans notre salle secrète. La salle secrète. Elle peut pas y accéder, tout est là. Ok. Ah, c'est vrai qu'on a la... On a la remote control. Okay. Mais ce qui est bien c'est que là on visite tout. Et à chaque fois on revient pour prendre les items qu'on a besoin. Ah mais frérot, on est royal, il y a la pince qui est là. Donc là on va prendre ça, on va aller dans le jardin, ouvrir la cabane. Et tu penses c'est ça? Je pense mec. Vas-y, tu peux y aller, de toute façon elle est de l'autre côté frère. C'est de quel côté déjà pour y aller? Non, pas là. L'autre côté. C'est l'autre côté? Ouais, là-bas. Okay. Ah oui c'est vrai. Vas-y, on va tenter d'ouvrir. Ça sert à couper les câbles de la porte d'entrée. Oh, ok. Ah ouais, la porte d'entrée, Ah oui, le remote control, je me souviens, il ouvre le placard. Eh, y'a un mec qui veut nous faire des... T'as fait quoi là? La tête. Y'a eu un truc là? Y'a un mec qui a couru, mais je vais le voir, je vais l'enculer. Y'a un mec qui a couru? Ouais, je te jure. Erol! Bon, chat, Inox il est en train d'explorer. Je crois qu'on se fait pranker. La vie de ma mère, on se fait pranker. Eh, je vais t'enculer, t'as un montage à faire. Comme par hasard, mon moteur il est pas dans le stade. Je vais voir mon monteur, je regarde s'il tape sur le montage, je vois y'a personne. Par contre je vois y'a le live allumé. C'est lui là. C'est ce bâtard d'Eron, il veut nous faire peur. Eron, fais les montages là, les viewers ils attendent les vidéos. Fais les montages, arrête de faire le con. Vas-y alors, tente d'ouvrir ça. Ouais vas-y. Non. Playhouse key, c'est mort. Playhouse key. C'est mort. Et ça? Non mais ça tu peux déjà l'ouvrir hein. Ah non. On dégage. Elle va arriver par là de toute façon. T'es tranquille parce qu'elle va arriver par là-haut. Ouais, on va voir. Donc cette clé, c'est mort. C'est une autre clé. Ok, moi je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec ce qu'on a. Je peux aller couper les câbles si vous voulez, comme ça c'est fait. Elle les répare pas frérot, elle sort pas un fer à souder. Normalement non. Vas-y bah viens, on va couper les câbles, t'es chaud? Je suis chaud. Merci Lucas pour ta donate. De rien mon ref, vas-y on y va. Je pense là on monte. Ah oui c'est vrai, tu t'appelles Lucas. Vas-y, monte. C'est où les câbles qu'il faut couper? Regarde, là il y a une remote. Ouais. Mais les câbles c'est à droite je crois. Check à droite. Attends, il y a un cadenas. Cadenas, autre remote. Cadenas et remote. Il y a deux cadenas frère. Et les... Oh putain, t'as fait du bruit. J'ai pas fait de bruit frérot, elle triche. Tu
sens le screamer arriver là? Ouais, je le sens. On fait quoi là? Parce que du coup, le câble, il... vas-y, ça. Il est où le câble? Non, ça, je pense, garde-le. Repose-le. On le garde. Quand on sera vraiment houssé, ouais, on ira le chercher. Quand on sera sûr d'housser, on ira le chercher. Ok, là, les gars. Là, je suis chaud, on monte en haut. Ouais, c'est très risqué en haut. Non, parce qu'il y a l'araignée là. Il y a l'araignée. Pour moi, là, les gars, on a tout. Pour moi, il faut prendre la remote qui est là et ouvrir la porte qui est sous l'escalier au-dessus. Ok, on est à côté de toute façon. Vas-y, viens, on teste. Oh oui les gars, j'aime bien que ça se passe comme ça. C'est magnifique. En fait, là, j'aime bien quand Lucas il joue parce que moi je suis trop lent sur les jeux comme ça et moi je peux commenter, tu vois. Vas-y, essaye. Normalement c'est pour allumer ça. Ça fait du bruit donc faut direct se barrer. Prends ça, barre-toi. Ça sert à quoi ça? J'ai jamais compris frère. Ça sert à quoi ça les gars? Je pense que c'est pour la niquer mec. Le spray ça sert à quoi? C'est pour la niquer. Tu crois que c'est du spray à mettre dans les yeux? Ouais, je pense. Le câble est dans cette salle, ok. Les clés pour le coffre. Ah ouais, les gens ont dit que la clé c'est pour le coffre. Mais la coffre de la voiture. Eh hey, les gars, le pepper spray, c'est pour la grand-mère ou c'est pour autre chose? C'est peut-être pour l'araignée. Non, l'araignée je crois qu'on la tue, non? Elle est là. Tu peux l'aveugler, tu peux la stun. Merci beaucoup Kritos, t'inquiète pas, y a pas de soucis. C'est pas mal merci ça Elena, en vrai. Merci Lucas. C'est pas mal mais... Merci Kawaii, vas-y. Merci. Ok. Chat, si vous nous avez mytho sur le coffre de la voiture. Non mais je pense qu'il mytho pas. Oh bâtard, il roule le truc. Ouais, mais il a pas bougé, t'inquiète. Chat, okay. Si vous avez menti, je vous jure, Inox et moi, on vient chez vous et on vous offre des petits cadeaux offerts par un sponsor. Allez. Oh oh oh, le marteau. Mais attends, la clé servait à ça ou pas? La clé servait attends, à ça. Attends frérot, on va avoir un blème. Non, tout va bien. Et la clé, t'as ouvert grâce frérot. À la clé là? T'as ouvert grâce à la ouais, clé? Ouais, j'ai ouvert grâce à la clé, le chat avait raison, excuse-moi. Ok. Souviens-toi, à un moment je t'ai dit, il me faut un marteau, je peux pas. Pour péter un truc. C'est vers l'oiseau, je suis sûr. 200, dans le jardin. C'est dans le jardin merde, ou vers l'oiseau? Le marteau, c'était pour quoi? La salle là, où, vers l'oiseau. C'est sûr que c'est vers l'oiseau, c'est dehors. C'était où le marteau? Mais tiens, tu me l'avais dit en plus, putain. T'as, c'est quoi déjà? C'est dehors, je suis sûr que c'est dehors, c'est pas là. Le marteau, tu dois prendre un bout de viande pour l'araignée, ok. Le marteau, les gars, c'est où? C'est où, les gars, le marteau qu'on doit le faire? La porte, c'est là où il y a l'oiseau. Non, c'est pas là où il y a l'oiseau, c'est une autre porte là où il y a l'oiseau. Si, c'est à l'oiseau. Bon, vas-y, viens, on va à l'oiseau, on va voir. Si, c'est là où il y a l'oiseau. Je suis sûr que c'est là où. Si, c'est l'oiseau, c'est là-bas. Mais non. Si. Ouais. Je suis amnésique. Mais non. Ah non, oui, mais tu peux passer par là. Ça mène au jardin, il y a une trappe. Tu savais? Ah ouais, faut trouver la trappe, putain, ouais. T'as raison, viens, on trouve la trappe, t'en promets. Fais gaffe, passe pas par le fil. Mais frérot, en fait, elle a plusieurs jardins. Mais elle est où la trappe? On est chez une riche. Putain, elle a plusieurs jardins? Non, c'est pas possible. Oh, la bourgeoise. Non, je crois que la trappe, elle est là, gros, c'est pas possible. Non, elle a plusieurs jardins, je pense. Je pense qu'il y a plusieurs trucs autour de la maison. Ok, bon, bah alors, passe par où il y a la trappe. Non, l'oiseau, c'était claque. Ok, je me souviens. Planche, grenier, où il y a le corbeau. Ouais, c'est par la porte à viande, ils disent. Non, mais déjà, ouais, c'est ça. Mais déjà, on n'a pas le pepper spray, donc là, ça veut dire on peut se faire déglingos. Elle est où, frérot? Do you want to play hide and seek? C'est tellement le développeur qui a fait sa voix aiguë, tu sais. Ouais. Merci, Camille. Merci pour ton sub. Elle met des pièges, là, frérot. Ouais, elle met des pièges. C'est à gauche, mon ref, hein. C'est à gauche. C'est là. Ok, alors, je vais juste faire un move de beau gosse pour nous assurer la tranquillité. Jette le marteau, reprends-le et barre-toi. Pour nous assurer. Oh là, mais quand tu fais ça, j'ai envie de te suce. Arrête. Non, j'arrête. Arrête, on est en live, frérot. Voilà, barre-toi maintenant. Ouais, cavale. Il a fait un cratère dans le sol, le marteau. Ah ouais, mon gars. Le bruit du marteau. Ah ouais, c'est une enclume. Ok. Merci, Guizot. Merci, la team. Allez, vas-y, mon frérot. Merci, mon ref. Tac. Dédicace, Noah, merci. Ok, c'est bon, on est passé. Le marteau, c'est là. Bah! Et t'es sûr que c'est pour ça? T'es sûr que c'était ça? Frérot. Ouh. T'es sûr que c'est grâce au marteau ça? Oh, comment c'est bas de long! Oh, c'est bas de le piège! Engine part! Voiture. Oh là, ça sent très bon, ça sent très bon ça! Non, mais bon, attends qu'elle arrive parce qu'elle va arriver. Hein. Okay. I see you! Ok, donc attends, parce qu'il manque, il nous faut de l'essence. Do you want to play hide and seek? Mec frérot, t'as entendu? Elle est pas loin. Tu l'as entendu? Non, du coup je l'ai pas entendu, je fais le con. Ah I okay, see you! Eh gros, t'as eu trop de chat.
Attends, il y a sa putain de son marteau. Allez, range ton gourdin là. Oh putain. Range ton gourdin là. Il est chaud. Et dégage. Merci là. Beaucoup, Owen. Merci, mon ref. On a eu chaud, sa mère. Frérot, on va y arriver. Okay, moi, là, je te dis, c'est la run. Vrai. Et il nous reste 4 minutes tranquille. On est trop bon. On est trop bon. On a niqué zéro vie. On est trop fort. Après, on prend notre temps, mais c'est normal. Je pense que c'est bon. Elle va se casser, non? C'est bon. Ok. Là, il faut que j'amène Laisse ça. Laisse le marteau ici. On sait qu'il est là, le marteau. Il nous sera peut-être utile. Ouais, mais attends, elle est pas loin. Il sert à d'autres choses, c'est sûr. Attends, écoute. Oh yes, j'avais peur qu'il fasse du bruit quand je... I see you. Hop là, ça sprint, allez hop. Bon bas. Dernier étage, tout en bas. Voilà, droite, clac. Non, derrière gauche. Le truc. Ouais, gauche. Gauche derrière les escaliers. On met ça dans... Sa merde. Ouais, viens l'encul. Viens, attrape-le. Eh les gars, on ouvre la porte, on voit un man taper son meilleur sprint dans le couloir. Non mais on est où là? Eh, on est où là? Eh, j'ai jamais vu plus discret. Hein. On est plus caché là-bas, mais il a tapé un sprint. Il est plus caché à 2 mètres. Non, mais il s'est dit je vais faire un 100 mètres dans le couloir. Oh putain, bon. Ah. Ouh, c'est bon. Ah mec. I see you. Oh là là, mais tu sais quand t'es intelligent comme ça, mais je sais. Je sais pas quoi dire, en fait, t'inquiète. C'est incroyable. Non mais dis rien. Je vais rien dire. Gauche, descend, on met ça dans la voiture, on est Gucci Mane. Let's go. Ensuite, il manquera quoi dans... Ah, comme ça en plus on peut reprendre la clé, mec. C'est là? Ouais, c'est là, c'est sûr. Let's go. Y'a quoi d'autre qui nous manque là-dedans? Prends la clé, je sais pas. Barre-toi. Oh putain, elle va arriver. Là, c'est sûr. Il nous faut la clé de la voiture. Il nous faut la clé de la voiture. Clé de la voiture, mais il manque des trucs dans la voiture, je crois. Il manque des trucs, la voiture, on a fini. Il manque de l'essence, là, peut-être de l'essence. Ouais, c'est sûr. Alors, attends. Faisons un point sur ce qu'on a le temps qu'elle arrive. Il nous reste cette clé qui peut ouvrir des trucs. On a mis le moteur dans la voiture. On a un livre qui sert à rien, je crois. La clé. On a un truc pour couper des câbles. On a le truc qui coupe les câbles et c'est tout. Bon là, y a plein de trucs frérot, là mon frérot il va falloir explorer. Et là ça va être dur. Ouais. Et là il va falloir explorer le rez-de-chaussée aussi. Ok, attends, il y a une strat. En haut, tu te rappelles, il y avait un passage secret qui te permet de descendre tout en bas après. En haut à droite. Tout dans le grenier. Ouais. Non. En haut à gauche. Non. Tu vois la salle où il y a le lit. Ouais. Quand tu avances, à gauche il y a un passage qu'on peut débloquer et descendre par ce passage. Ah t'as raison, ouais. C'est derrière des boîtes. Faut direct aller. Okay, là. Ok, vas-y. Parce que stratégiquement on peut faire des rotas. Ok, vas-y. Ça va le faire frérot. Frérot, ça m'étonne qu'elle est pas venue. Je te le dis, on va win. Ouais, les gens me disaient sens, ouais. On est méga chaud, frérot, je te le dis. Oh waouh, elle est venue là, hein. Attends, merde, ouais. C'est où Jack? Je pense mon par là, hein. C'est, notre réserve est à droite, attends, je me suis trompé. Elle est là, ouais. Oh, y'a un truc qui brille au-dessus. Ouais. Ah, c'est la télécommande, je pense. Merci Lucas. Ok. Lis les super chats d'avant. Merci Win. La peur d'inox plus le mini cerveau de Squeezie. C'est-à-dire Z égale vive le chat. C'est-à-dire, je comprends pas bien. Moi aussi, j'ai pas compris. J'ai pas bien compris. J'ai entendu petit cerveau de Squeezie. J'ai pas bien compris là. Et j'ai entendu ma peur. J'ai pas peur, les gars. Ah, mais okay. Attends, non. Frérot, y'a un fil. Je suis obligé de passer par là. Mais non. Ah, mais attends, t'as pas exploré là. Viens, on explore. Mais oui, c'est ce que je fais. Ouais. C'est ce que je fais, frérot. Y'a quoi là-dedans? Code. Je crois que c'est utile. Oh non, en vrai, je sais pas si c'est utile. Y'a juste écrit code. Frérot, je sais pas. Moi, je pense que jette-le. Non, on va quand même le mettre dans la réserve. Les gars, c'est utile le truc code là? Frérot, on le met dans la réserve, t'es un ouf. Regarde, et déjà, on va pas être con, comme on part avec rien dans les mains. Je crois qu'il y a... Vas-y, juste écrit faut qu'on code, brûle hein. Ce papier. Ouais, on va prendre ça, comme ça, si jamais on tombe face à elle. Mais ça, tu peux vraiment avoir une chance en plus si tu tombes face à elle, tu penses? C'est pour la porte, je pense qu'il y a un truc à code et tu cliques avec le papier, ça. Oh oh oh. I see you! Non, elle est partie à gauche, elle est dans la cuisine. Elle est dans la cuisine. Tain, j'ai eu peur. Ok, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire, frérot. On a vraiment pris une bête de position, mec. Non, mais gros, là c'était la meilleure strat qu'on puisse faire. La position, elle est. Code pour ouvrir la porte. Ouais, c'est pour ouvrir la porte, mais il nous manque deux clés pour la porte. Il y a deux autres gros cadenas. Bah attends, ça veut dire que le code de la porte, c'est code?
Non, mais c'est-à-dire que quand t'es face au cadenas, tu... Ah, tu mets ça, truc, ok. Quoi. Exactement, tu vois, ça c'est fait. Ah, donc c'est utile de baiser, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et on a un des trois locks de la porte qui est déverrouillé, là, en okay. gros, avec le code. Ça, il nous faut... Ça, je vais le remettre là. Et du coup, pourquoi t'avais pris la clé? Juste pour faire du bruit, ok. Juste pour faire du bruit. Ici c'est trop d'art. Et ici ça fait pas de bruit. Alors, c'est ça que t'allais dire. C'est une dinguerie. Non mais frérot, on est au max. On est au max de notre art. On a notre prime là. On a notre prime, je te le disais. Donc tu vois, il y a un truc qu'on pourra résoudre, mais il reste deux big cadenas. Tu vois, c'est celui-là qu'on peut. Regarde le code. Ok, le code c'est ça. Et là il nous reste une clé ici. Et la remote on l'a, non? La remote on l'a, mec. En vrai, on est pas loin de win. C'est quoi ça? Non, ça on s'en fout. Elle va arriver, fait belle écart. Tranquille, tranquille. Tu peux pas te cacher un endroit ici? Non, ici mec, c'est la zone où t'es mort. Fusil! C'est pour le fusil, ça! J'ai vu, elle est là, attends. J'ai vu. Tu peux pas te cacher dans un frigo? Non. Oh, y'a une clé. Ouais. Oh! Oh, wow! Mec, comme par hasard, quand on est speed! Comme par hasard! Ouais! Une vie en moi, mais on a vu plein de trucs. La weapon... Le truc du fusil, la clé. Ouais. Oh putain, ouais. On a fait peur, la salope. On sait. Y'a même pas besoin de les ramener, on sait. Ok. On sait où c'est. Okay. Y'a même pas besoin de les ramener, frérot. En vrai, non, mais le fusil en bas, faut le faire. Bête les couilles, elle, putain, elle bête les couilles. Ça. Là-bas, vas-y, ouais, passe par où on est. T'étais Squeeze. Non, derrière. Et là, fais le truc des cartons, là. T'as raison. Ah, elle l'a déjà fait. Ah, non, en fait, on est déjà. Mais on est trop con, déjà. On l'a déjà fait. Non, on l'a jamais fait, frère. Impossible. Si, on l'a déjà fait. Ah ouais? Frère, on l'a déjà fait. Jure. Et les cartons là, tu peux pas les pousser à droite? Oh là là. 200 de cuir. Oh yeah, c'est le truc du grenier. 200 de cuir. Ça, c'est quoi? C'est le truc du grenier. Ça, c'est pour le grenier. Ok. Mais si on va au grenier, les gens disent qu'il faut qu'on ait la viande pour l'araignée et le fusil. Ça sert à rien d'y aller maintenant. Donc, dans la cuisine, t'as vu, il y avait une clé. Clé et un embout de fusil. Ouais. Et la clé, c'était la weapon key. Ça me dit un truc. Weapon key. Bah, ça veut dire. La clé de l'arme, quoi. Ouais, mais... Mais je sais pas, ça sert à quoi? La weapon key, les gars, elle sert à quoi? Ça sert à quoi, la weapon key? À quoi sert la weapon key? Ah, y'a un mec qui l'a dit dans le chat. Attends, je lis. Ça allait trop vite, putain. À quoi sert la weapon key, les gars? Ah, frérot, c'est ça. Arbalète. Voilà. Ouais, allez. On est là. Prends-la dès maintenant. Ouais, t'inquiète, je vais juste save ça. Save ça, on prend la weapon key. On ouvre ce petit coffre. Oh mais les gars, on va finir le jeu, hein. Je te le dis, on va le finir, hein. C'est sûr. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais au moins on l'a, et en plus on a... Askip, c'est l'arbalète, hein. Askip, dans le coffre, là, il y a l'arbalète. Mais non, ce serait ouf, mec. Ouais, ça, ce sera pour le grenier, on va le mettre. Et l'arbalète, après, c'est pour le truc dans le jardin, tu vois. Faut aller dans le jardin et t'ouvres le truc avec le truc rouge. Ah ouais, le truc dans la cabane, ouais. Putain, frérot. Viens, on fait ça, viens, ok, vas-y. Faut prier, prie. 1, 2, 3, soleil. C'est bon. Tu fais quoi? Tu prends le risque? C'était pas celle-là. T'es sûr? Non. C'est quoi ça? Tu l'avais pris avant de mourir? Ah bah si, ouais, si ouais, tu... Ah bah tu l'as pris avant de mourir. Ah ok, c'est celle-là, celle-là. Bah c'est bon, t'es tranquille. Et là regarde, en plus on monte direct là où il y a la weapon key. On est au max, frérot. Ouais, on a notre prime là. On est au max, frérot. C'est où là? C'est où? C'est là, c'est là, c'est là. On est au max. On est monstrueux. On est au max. Monstrueux. Oh là là, voilà. Mais t'es trop bon. Allez hop. Granny spawn toujours dans un sous-sol. Spawn toujours dans un sous-sol. Le trou à côté de la cabane. Faites tomber quelque chose dans le sauna. Comme ça, elle a attiré et vous la tuez. On peut pas la tuer. Ça va l'immobiliser, je pense, pendant genre 20 secondes, tu vois. Merci, Pierre. C'était par où, frérot, le... La porte dans la cabane chelou, là? Je crois que c'était de l'autre côté. Non, mais t'as pas pris les balles, frérot. Il y avait des balles au mur. Non! Si, je te jure, il y avait des balles, prends-les. Oh, je suis une... Ouais, il y avait des balles, je savais. Je me disais que tu les avais pas pris. Mais elles sont... Elles sont sur le mur. T'es sûr? Sont sur le mur. Sur le mur où il y a l'arbalète. Où il y a l'arbalète. C'est quoi ça? Je sais pas. Annie de Cutting Pliers. Ah bah c'est bon, c'est ça. C'est ça. Let's go. Mais gros, on est en train de tout découvrir. Mais mon frère. Attends, coupe-le pas maintenant. Je pense fais d'abord le truc mais de l'arbalète. Vas-y, on le coupe comme ça. On est à côté. Comme ça, c'est fait. Vas-y. Mais en fait, je sais pas à quoi ça sert de les couper. Voilà. C'est bon, c'est coupé. Ça servait à quoi de couper ça, le chat? Je sais pas, peut-être ça désactive une sécurité de la porte, non? Y a pas un truc comme ça? Ah bah si. Bah si, c'est ça. De son. Et coup. Du coup, on est pas loin de s'échapper, hein, frérot. Hein, je te le dis direct, hein. Mais là, on est pas loin. On est pas loin de s'échapper. Mais je crois qu'on va pas s'échapper avec la voiture, en fait. Au final. Parce que... Au final, on va s'échapper avec la porte, je pense. Bah, je pense que dans notre run, on a trouvé la porte en premier. On est monstrueux, là. Je sais pas si tu réalises. Gars, on est trop monstrueux. Merci, monstrueux. Merci, Vin, pour ta donate. Win. Grosse dédicace. On peut dire Gotaga, Locklear, Dwagby, que je les aime tous.
J'espère te revoir très vite. Oh, c'est quoi les hameaux, c'est ça? Merci mon ref. Je leur dirai quand je les verrai. Ah mec. J'essayerai. Fais gaffe. T'inquiète, t'inquiète. Ouah, tu m'as fait peur, putain, frérot. J'ai trop peur. J'ai failli mourir. Attends, tu peux en prendre une à chaque fois? Ouais. C'est pas là. C'est où? C'est pas là, c'est. C'est là. C'est là. Vas-y, vise. Non, c'est que c'est lui maintenant. Frérot. Eh, hey, tu sais qu'il a un montage à faire. Mais frérot, ta vidéo elle va sortir en retard de 2 jours. Tiens, dites-lui un truc. Il est sur le chat. La vidéo elle va sortir dans 2 mois à ce rythme. S'il prend Kinox tous les soirs. C'est quoi ça? Le gars il a un montage à faire. C'est le seul truc à faire. Il fait trembler le mur, le poteau. Mais bon. Mais gros, c'est. Eh, hey, viens l'encul. S'il te plaît. Je le jure. Je vais péter la porte. Attends les gars, parce qu'on a fait quoi? On a dit à monteur, il est là le monteur. On toque. On toque. Je vois le monteur. Les gars, on toque à la porte du studio de Michou. Et on entend ouais, mais qui vient de l'autre bout du couloir. Et c'était le monteur d'Inox. Ça veut dire il y a un mec dans le studio de Michou. Là c'est pas lui qui fait ça. Qui fait ça? Eh vas-y, il me faut une prank. J'adore. Eh hey, y'a qui là? Je te jure, je ne fais pas un prank. La tête de Wam, la tête de Wam. C'est-à-dire, tu te fais pranker à deux là? Je le jure. Oh mon frère de prank. Je le jure, mon monteur n'est pas dans le studio. Il y a un mec dans le studio de Michou là. Tu peux passer de l'autre côté? Bah vas-y. Mais il y a un mec qui en. Mais Michou il est pas là. Faut niquer la mousse là si tu veux passer. Faut péter la mousse. Mais non, je peux pas péter la mousse, elle est collée. Il peut juste pousser le mec qui est derrière. Mais il y a un mec derrière. T'es sûr, il y a un mec? C'est sûr. Il a poussé là depuis tout à l'heure. T'as un mytho, elle était pas ouverte quand on est arrivé, j'ai regardé. T'es un mytho. Donc t'as 5 ans. Ah, je l'ai baisé! C'est un complice à toi! Ah, je l'ai baisé! Eh, Aaron! Aaron! Il s'est barré! Aaron, travaille sur le montage! Allez! Parce qu'il va être en retard là! Eh, frérot, ouvre à ton complice, le pauvre! Il est aussi drôle! Eh, Flux! Eh, il a enfermé un mec! Il a enfermé un mec dans le studio d'à côté! Ok, eh, le prank 0 sur 20, les gars. 0 sur 20, le prank. Derrière toi, Inox. Un pépéné. Jeu d'acteur en français. Ah non, mais les gars, j'étais même pas au courant. Allô, les gars? Les gars? Attends. Ah, le bâtard, c'est bien son badge. Il ouvre ton studio, mais vas-y, je te jure. Mais par contre, vous me faites rire, c'est pour ça que je me suis barré. Hein? Je te jure, c'était. Eh, frérot, écoute-moi. Jure, c'était pas toi le dernier. Eh, vous allez être témoins tous les deux. La prochaine fois. Quand il y a un bruit, je charge le truc et je vous jure, je pète le mur. Je charge le truc. Comme un taureau. Non, gros, je sais genre, tu vas me lever, je vais me mettre là. Non, je te jure, Squeezie. Je veux dire, Inox, il est temps. Non, je vais sprinter dans ce truc. Je te jure, frérot. Attends, en fait, j'ai envie de le voir. J'ai juste envie de voir la scène de. Il fauche le truc. Mais c'est sûr, il y a un mec derrière. C'est pas toi, tu jures. Je te jure, c'est pas moi. Eh, hey, laissez-nous finir Granny et après on s'occupe du mec qui nous fait une prank. Vas-y. Je vous jure, les gars, c'est pas moi qui prank. Je vous jure, mais je en plus, pas il se fait. C'est pas Michou, c'est le mec qui se fait yesh dans le studio de Michou depuis une heure. C'est pas moi, c'est pas Michou, c'est. Je vous promets, les gars. Grosse dédicace, merci beaucoup, Ellie, merci beaucoup. Ok les gars, on continue. Allez. Merci à tous ceux qui sont là. Est-ce que le live vous plaît dans le chat? Merci à ceux qui sont là, qui mettent des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner aussi, mettre la cloche, ça fait donc, plaisir. Tu penses avec l'arbalète? Ouais, vas-y tire. Attends, je pouvais appuyer sur E. Je pouvais appuyer sur E, mec. Ah, t'as fait de la merde. Ah bah vas-y, bah remonte, faut reprendre une. Je peux pas la prendre à travers comme un tricheur? Non, tu peux pas. Putain, frérot. Je crois que je pouvais appuyer sur E. Non, faut remonter. Mais. On est mort. Attends, tu crois que tu pouvais appuyer sur E ou en mode c'était fallait appuyer ou appuyer sur E? Non, je crois qu'il fallait appuyer sur E. Chat, c'est ça, non?
Gros, hey, il nous reste deux vies, Squeezie, il nous reste deux vies. Non, il nous reste trois vies, il nous reste deux vies. Il nous reste deux vies. Frérot, ça va aller. Tant que lui là, il me fait plus chier, c'est bon. Ok. Yo, Mourage, tu viens de faire un unboxing hier. Merci beaucoup, Théo. Bon, alors, frérot, est-ce qu'on peut prendre une fléchette sans l'arbalète ou on est obligé de prendre un. Putain. Oh putain, fais gaffe, elle est là. Ouais, mais fuck. Elle est où l'arbalète? Elle est en bas? Ok, non, elle est où on est mort? On va passer là. Prends la. Oui, tu peux prendre la flèche sans l'arbalète, c'est sûr. Et voilà. Tu peux? Oh non. Oh non, on peut pas. C'était par là, non? Ouais, c'était par là. Oh, oh ouais, frérot, carrément le plancher, il s'est cassé sous mes pieds. Tu peux remonter par l'autre côté ou pas? Non, non pas. C'est ça qui est chiant ici, c'est qu'après t'es ici, bloqué. Ici on doit attendre trop longtemps, c'est chiant. Les gars, on est d'accord, fallait que j'appuie sur E, c'est tout. J'avais pas besoin de tirer, c'est ça? Faut appuyer sur E ou tirer, les gars? J'ai vu un E apparaître au moment où j'ai cliqué, okay, donc bah je pense juste que c'était e, en fait. C'est E. Faut faire avec le fusil, pas l'arbalète. Non, il y avait E. I see you. Tirer sur Granny, elle sera assommée pendant une minute. Ok, donc on aura 3 minutes tranquille. On va le faire. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit ouvrir cette pièce parce qu'il y a une fléchette dedans. Okay. Donc, quand on rentre dans la pièce, on a la fléchette, on stun Granny et on est tranquille. Mais il y a un autre truc que la fléchette aussi dans cette pièce. Il y a quoi? Il y a un item. Bah, pourquoi on l'ouvre si on y a pas de. Ouais, non, il y a un item, il y a un truc. Il y a forcément un truc. Et peut-être qu'il va nous servir au. Et ouais, le chat me dit d'appuyer sur E. Ouais, non, mais donc, c'est on récupère la balle, on appuie sur E. Je crois pas que c'est avec. Faut de l'aim. En fait, ce qui est relou ici. Elle est pas loin là, je l'entends. À tout moment elle peut être là en fait. Ouais, et c'est que là t'as vu quand je peux pas descendre les marches, elle me chope, elle a des grands bras. Ouais. Ça a l'air de le faire là, non? Ok, c'est barré. Ah putain, frérot. T'as besoin d'aller là pour monter? Bah ouais, attends. On va faire la classico. Bon, déjà. Fais la classico. Le live les gars, on finit quand on aura fini le jeu. Je me régale les gars, je vous le dis, je me régale. Moi aussi, pour l'instant je suis dedans là. Bon, tu sais que ça fait 1h40 ton live. Non, je jure. 1h20 ouais. 1h20. 1h10. Il est 23h. C'est 1h11. Où ça? Là, en bas d'OBS. Ah oui, je vois sur OBS. Non, moi je regarde l'heure en bas à droite. Y'a un mec qui a dit l'arbalète elle peut faire tournevis. T'es ban du chat. Il a dit. T'es banni. Il a dit l'arbalète elle fait tournevis. T'es banni frérot, c'est terminé. Fin de jeu. Fin de jeu, c'est terminé. Oh, j'étais obligé. Elle va arriver par en bas ou en haut? Moi, ta place, je resterai ici. Je resterai ici, moi, ta place. Mais non, on est bien. C'était par où? C'était par là ou pas? Oui, par là. Bien, ouais, bien joué. frérot, ils sont dans l'abus, eux. T'inquiète, la tête de l'abus, ils sont dans l'abus. Fais eux, tout hein. Va bien. Oublie pas, eux. Prends ton temps. Frérot, non. Oh, non. Non, je te jure qu'il y avait eux. Non, je te jure qu'il y avait eux. Squeezie le chauve. Pourquoi il dit ça? Parce que tu peux dédicacer Marius, Esteban, Raphaël. Je sais pas du tout pourquoi il dit ça, mais time out. Dédicace Esteban et Raphaël. Merci Noé, merci Rick pour ton sub. Ah frérot. Arbalète égale bullet drop. Le marteau. Faut viser un peu plus haut. Ils disent faut viser un peu plus haut. Ok. Gros dédicace Étienne, mon frérot. Mais les gars, pourquoi on peut pas là? Chat. Les gars, pourquoi ça marche pas? Chat. Nique pas la truc. Hein. C'est quoi, Kéa? C'est une cible aussi, je crois. Chat. Les gars, pourquoi on peut pas tirer sur la cible hein? Tire plus en l'air. Mais non, mais c'est sur eux, c'est sûr. T'as l'air que tu l'avais vu. Il vise au-dessus de la cible et tire. C'est avec le fusil. C'est le fusil. Non, c'est pas possible. Depuis tout à l'heure, on fait l'arbalète comme des cons. Ils me disent que l'arbalète, c'est que pour stunt la mamie. Ok. Donc l'arbalète, c'est que pour stunt la mamie. Bon, attends, on en est où là? Quel est notre objectif? Clic gauche, ils disent. C'est quoi notre objectif? On a un bout du fusil, viens, on va le prendre. On a un bout du fusil. Viens, on va le prendre, vas-y. Merci Théo. Quoi, le VDA, il sort pas tout de suite, Théo. Je le ferai quand je devrais sortir la vidéo, mon petit Théo. Cimer. Vos dédicaces, hit. Le hammer, il est là. Si jamais on en a besoin, on n'oublie pas, ok? Ouais, le hammer, il est là. T'as l'arbalète pour assommer la momie. Je vais la dégager. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Le fusil. Il y a le fusil, vas-y, on va assembler le fusil. Mais tu sais quoi, il faut qu'on finisse de fouiller le rez-de-chaussée et le premier étage. On n'a pas tout fait. De mourir. On a plus le droit. Ouais, le problème, c'est que là, je peux pas me prendre une mort inutile. C'est pas possible. En plus j'ai cette merde là, putain. Eh, tu peux pas me. Je vais repasser par, là. Par l'autre côté. Ouais. Eh merde, j'ai fait
Donc t'as fait tomber le truc, bah, mais c'est pas grave. Tant mieux. Tant mieux, comme ça elle passe de l'autre côté. Mais on peut le faire avec l'arbalète. Ah ouais? Ça le fait aussi pour la cible. C'est quand t'as jeté la flèche, tu pouvais la récupérer en l'air avec le E. Ah, et VIP lui. Ah il est oui, VIP. Ok. Livre égale easter egg stylé. Donc là, la planche, on peut la péter. Il nous manque juste le code, on l'a. La planche, c'est le marteau. Il nous manque la clé du cadenas. Ouais. Et la télécommande, on l'a. Ah, le fil que t'as désactivé, ça a pété un truc. Ouais, c'est bon. Il reste un qui est en rouge. Il nous reste juste ça, mec. Ah, ok, il y a un deuxième fil. Oui, il y a un deuxième fil à niquer. Merci, Daphné. Là-dessus, c'est le. Et là, frérot, je peux pas tirer là pour choper ça? C'est quoi? C'est un item là-haut, les gars? C'est un item là-haut ou pas? Tu vois bien que ça brille, frérot. Chat, je tire dessus ou pas? Je sais pas si tu tires dessus, ça va le faire tomber, je crois. Hein. Je sais pas si ça va marcher. C'est au fusil? Le fusil à skip. J'en ai ras le cul du fusil. Ah non, peut-être que. Clic gauche. C'est quoi clic gauche? Bah, c'est pour tirer, quoi. La moyenne qui c'est pour aller à l'araignée. L'araignée, on sait comment faire, mais il faut le fusil. La viande, on l'a, je crois. Non, on l'a pas. La clé au-dessus de la porte. Quoi, la clé au-dessus de la porte? Quoi, vous me parlez? C'est quoi le truc là-haut? T'arrives quoi, à voir ce que c'est, j'arrive cette pas merde, à voir c'est quoi. C'est un truc dans un pot. Ils me disent oui. Oh merde. Ok, fouillons vite. T'inquiète, je vais lui tirer dessus. Ah, tu penses que ça va marcher? Gros, encule là, je t'en supplie. Fume là. Gros, t'as une minute. Récupère, hop là, tranquillisez mamie. Tranquillisez mamie. On a une minute. Allez. Appuie sur tout. Allez. On a une minute. Non, mais... Allez. Va en haut. Frère, ça a le même bruit qu'une balle de nerf. Ça a le même bruit. Oh, cogwheel. C'est pour quoi ça? Je sais pas. C'est pour la voiture, non? Ouais, c'est sûr. Tire sur Granny, c'est bon, on a tiré. Ok, retiens, j'ai mis l'arbalète, hein. Retiens, j'ai mis l'arbalète. Ah! C'est bon, retiens, j'ai mis l'arbalète. Ok, oui, l'arbalète, voilà. Tu l'as mis là. Tu l'as mis là-haut. Premier étage. C'est un tournevis de quoi? De quoi vous parlez là? Tournevis de quoi? Ah, c'est un tournevis, le truc en haut? Ah, bâtard. Ok, les gars. Ah, c'était un tournevis là-haut? Faut le récup. Putain, frérot. Il sert à quoi déjà le tournevis? On avait 3 minutes de. Tournevis, il sert pour la salle à côté. Ouais, j'ai. La côté. La petite planche, les petites. Ok, faut récupérer le truc là, juste qu'on peut plus mourir. Ça sert à quoi cette merde? Sert à quoi ça, les gars? Mets-le là, on s'en bat les couilles, on verra. Frérot, je vais lui brûler le cul. Je vais lui cramer le cul. Mec, tu vas l'enfermer dans le sauna, tu penses qu'elle va y aller? Je pense. T'es à sa place. Il est 22h30, tu sors de la douche, tu te fais un petit sauna ou pas? Attends, elle est là, elle okay, fait des legs. On y va? Elle est là. On y va ou pas? Vas-y. Non, attends, non, t'as rien. Non, gros, t'as deux vies. Moi, je ferai pas le con à ta place. Elle y est pas, elle feinte. Ah non, c'est la voiture. Ouais, non, je ferai pas. Frérot, elle est dedans. Ouais, mais. Regarde, tu vois. Ah, elle est ressortie. C'est sorti, ouais, on avait une fenêtre pas grande en fait. Dans la cabane dehors. C'est dans le jardin. Qu'est-ce que t'es dans le jardin? C'est pour la petite cabane. Le truc rouge, c'est pour la petite cabane. N'importe quoi, la cabane, les gars, c'est dans le jardin. C'était une clé de jardin. Dans la cabane, c'est pour le mécanisme. Pour le puits? Peut-être pour le puits? Tout le monde me dit c'est cabane dans jardin mécanisme. Bon, on y va. Prends-la et pose dans le jardin, au moins c'est posé. On y va. Gros, c'est quoi le record, les gars? Pour finir le jeu, c'est quoi le record? Cogwheel. Frérot. Oh non, frérot. Tu peux lever ce qui, je pense. Saute. Y'a des jumps? C'est bon, tu l'as eu, je crois. Bien, oui. Ouais, mais si je fuis. Ouais, si tu fuis, faut y penser, quoi. C'est où, cabane? C'est à gauche, si, ou tout droit? Gauche, en bas. Ouais, voilà, c'est là. Safe K. Ok. Dox, est-ce que tu peux soutenir une youtubeuse? Merci beaucoup. Que j'adore, Charline. Elle mérite plus de soutien. Bah, gros bisous à Charline. Force à toi, Charline. Big up, Charline. Gros big up. On est ensemble. Plein de force, Charline. Plein de force. Allez. Allez, les gars, merci à tous ceux qui sont là. Un maximum de cœur dans le chat. Vous êtes monstrueux. L'aventure est folle. Est incroyable. Ok. C'est là, non? Non, c'est non, non, avance. Fais gaffe de pas marcher sur le câble. T'inquiète, c'est ça. Sur cette petite cabane, ils disent. Time out! C'est à l'intérieur, je pense. Je pense que c'est à l'intérieur. Tu me les time out là! C'est pas possible! Les gars, c'est quelque chose! Je pense qu'il y a un truc dans la cabane et faut mettre ça. Parce que pour que tout le monde dise ça en moins d'une minute, c'est que c'est sûr que c'est ça. Mais déjà, faut ouvrir la cabane. Ouais, mais on n'a pas la clé. On n'a pas la clé de la cabane. Non, mais là, il faut qu'on explore. Je prends l'arbalète, je prends le dernier truc. Est-ce qu'une fois qu'on utilise une. Parce que je crois qu'une fois qu'on utilise un truc, on peut plus l'utiliser. C'est non, sûr. Mais bah non, il y a 3 munitions.
Bah c'est non, sûr. Il y a 3 munitions. Oui, les 3 on les nique, c'est fini. Oui, mais là il nous en reste 2. Ouais, il nous en reste 2. Dont une qui est perdue dans le. Il nous en reste une. Putain. Et je pense qu'il faut les utiliser à des moments stratégiques. Et je pense que c'est pas le moment le plus stratégique pour utiliser celle qui nous reste. Hein. Le record c'est 2h. 2h30. Squeezie. Non, skip plus tout ma gueule. Si, à skip le record c'est 2h30, c'est vrai ou pas? Bon, j'ai laissé le truc dehors hein, vu qu'apparemment ça va là. J'ai laissé le truc devant la cabane. Oui, laisse-le devant, t'as raison. Le record c'est 2h35, gros. Putain, mec. C'est-à-dire que c'est long quand même. C'est hein. Long c'est pas de ouf. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut désactiver le code de la porte, mais pour le moment on s'en bat les couilles, c'est prendre des risques pour rien. C'est pour quoi ça? Spécial case. C'est pas pour le coffre à droite ça? C'est pour le grenier, non? Si, ils ont dit que c'était pour le grenier, je m'en rappelle. Bah, mets-le dans le grenier tant qu'on y est. Safe case. Bah, et bah, monte et mets-le dans le grenier. Ouais, mais c'est. Non, le grenier, l'araignée qui va nous buter, frérot. Ouais, ça sert à rien d'aller dans le grenier, c'est con. Ça sert à rien, il nous faut le fusil. Le fusil, bah, ok, voilà. Bah, tiens, go, commence. Premier étage, direct à gauche. En fait, à un moment, frérot, on est faut baisé. Explorer, faut explorer, on est baisé. Genre, on repousse le truc. Mais je sais où est le truc ah, de attends, flingue. Faut que je retourne là-bas, prendre le l'arbalète truc du et revenir. Non, on prend pas l'arbalète, on en a pas besoin. Si, mais comme ça, au cas où. Ok. Et il est où le truc du pour la spray? Tu l'as remis dans le truc? Ah non, je crois que je sais où il est. Tu l'as pas remis dans le truc? Merci, Kazu. Je sais où il est, Kazu. Merci beaucoup. Gros dédicace, merci beaucoup. Gros dédicace, Kazu, merci beaucoup. Je sais où il est, frérot. Il est en bas. Ok. Là, y'a quoi là-dedans? Y'a rien, je crois. Rien du tout. Ouais, ok. Ok, ça, on sait que c'est là. Et t'as une clé à côté, hein. Par terre, y'avait une clé, Squeeze. Mais je crois qu'elle est. On l'a utilisée déjà pour ouvrir le truc. Merci, Étienne. T'es un crack, Étienne. Ok, là, elle va arriver. C'est quoi ce qu'il y a par terre? Marteau? C'est le marteau, mais qu'est-ce qu'il fout là? Non, c'est pas le marteau. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ce qu'il y a par terre? Je sais pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah putain, un piège, va falloir se rappeler. Ouais. Elle en a mis un pour aller dans le. Dans l'escalier, garage, frère, là. Tout ouais. En bas. Ouais, ça c'est relou. Vous pouvez jeter des. Vous pouvez réutiliser les mêmes flèches tout le jeu. Ah, skip, on peut peut-être les. Non, ça m'étonne. Mais encore, c'est pas 2h47, merci, c'est 2 minutes 47. Non. Je me disais c'était long pour un record. 2 minutes 47 ouais, ouais. Bah 2h47 c'est. Non mais attends, c'est 2 minutes 47 il 2 a minutes. Tout fait. Ouais mais le mec mais est gros, chaud. Le mec est trop chaud. Merci RTZ pour ta donnée. Ah mais frérot on est trop con, c'est l'arbalète. C'est l'arbalète, ok. Donc on la redescend. Bah je vais prendre une fléchette. Comme ça si jamais. Si on est dans la merde tu la balances. Exactement. Mais si on peut pas les réutiliser c'est une carte qu'on grille quoi. Ouais exactement. Donc moi je pense qu'on passe par l'autre côté pour atterrir au rez-de-chaussée. Ok. On retourne en bas. Ok. Clac. Oh, je crus que c'était elle. On monte les marches, on est au rez-de-chaussée et on va choper le truc du fusil. Truc l'arbalète du fusil. Sera à côté du truc du fusil du coup. Et tu la reposes l'arbalète du coup. Exactement. Tu la reposes où il y avait le fusil. Exactement. Et bah go, monte. Attends, je vais juste faire le. Comme des vrais hommes. Je pense qu'on va y arriver. En vrai, il nous reste 2 vies, Squeeze. Il nous reste 2 vies, les gars. Oh non! Oh putain, elle m'a fait trop peur cette salope. Elle est arrivée tellement vite! Mais attends, mais gros, elle est jamais venue aussi vite. Oh la dinguerie! Mais je crois que plus les jours y passent, plus elle vient. Oh mec! Oh, hey, j'ai eu un torticolis. Ah, je suis désolé, frérot, je suis désolé. Ça va aller. Oh non, mec, non. Gros, on a une vie. Ça veut dire qu'on non, a pas pu pas faire recommencer. 2 heures de live. 1 heure de live. Non, c'est pas possible. 1h20. 1h20, faut non, qu'on. Faut... Non, on a une dernière vie. Fuck. Putain, mec, je suis désolé, frérot. T'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh mec, il nous reste une vie, faut pas te chauffer. Vite, faut prendre notre temps. Elle est arrivée tellement vite. Putain, la salope, elle sort de où? Je crois qu'elle est au même endroit, non? Ah non. Putain. Putain, nous a niqué une vie. Ah putain. Bon, il est où le tournevis, les gars? Si on meurt, c'est fini ou pas? Ouais, je crois. Vu qu'elle sent et tout, c'est que c'est fini. Bon, frérot, on fait quoi? Flingue. Mais mec! Ah, les flèches elles sont là, on peut gagner en fait. Mais en fait, les flèches elles risquent. Frérot, c'est gagnable! À chaque fois tu la fumes! Frérot, je la démonte! Chais, bouffe! Elle est tombée comme une merde! On sait qu'il y en a un là, c'est rien de prendre, viens on explore! Ouais, vas-y, bah monte! Je pense qu'on monte en haut. On n'a pas exploré la cuisine, ça, t'as pas trop exploré. Et il nous reste 30 secondes, gros. Compte, tant je te plus. Non, prends pas! Pièce de peinture, on s'en bat les couilles. Il est là le pepper spray, t'as capté? On s'en bat les couilles. Fils de pute. C'est quoi ça? Un truc dedans. Clamolette. On sait qu'il y en a une. Elle va se relever, Fébélec. Là, je la shoot. Elle se relève, la shoot. Non, va visiter en haut, tu la shooteras en haut. Oh putain, il spawn pas là. Voilà. Mais t'as juste à attendre qu'elle revienne et tu la tues. Mais non, parce qu'elle est peut-être vide la fléchette, frérot. Mais frérot, c'est pas logique. Bah non, tu finis le jeu easy sinon. Attends les gars, la fléchette est vide ou pas?
La fléchette est vidée ou pas? Tu sais que si la fléchette est pas vide, t'es mort. Moi, à ta place, je me barre. Hein. Faut qu'on chope le marteau et qu'on aille au grenier, les gens ils disent. De toute façon, faut qu'on aille au grenier là. C'est quoi cette merde hein? Faut qu'on monte en haut. Oh, je te suce! Oh, je te suce! Oh, le move! Oh, oh le move de PC! Et regarde, c'est ça le truc pour aller en haut. Oh, mais attends, mais move de PC, gros! Ah! J'ai pas fait exprès, frérot, je suis désolé. Attends, il y avait un item à gauche, derrière. Il y avait un item, excuse, il y avait un item. Où? À gauche, là, en bas. J'ai dit de la merde, peut-être, hein. Je dis la merde, désolé. C'est pas grave. Ok, ça c'est très bien ça. Ça c'est très bien ce qu'on vient de voir, on va win, oui, bordel. Attends, et elle est pas vide. Ça veut dire qu'on peut faire à l'infini, on la kill, on. Mais oui, c'est à l'infini, mec, mais c'est bon, c'est gagné, frérot. Easy. Non, fais pas trop, mec. Elle arrive. Bah vas-y, qu'elle vienne. Tu peux pas monter là, faut que tu. Bah pourquoi? Si elle vient, t'es bloqué, quoi. Bah je lui tire dessus, elle s'est annoncée, frérot. Dessus, et... tu peux passer dessus. Et débile. On prend le marteau pour aller au grenier ou pas? Il est utile le marteau pour le grenier, les gars? Là, on a la clé pour le grenier. Est-ce qu'il faut le marteau? Il faut quoi pour le grenier, les gars? T'as tout on n'est pas loin faut. D'avoir fini, mais il nous, on n'a pas le. Vas-y, faut explorer. Le fusil, est-ce qu'il est vraiment utile? Tu sais qu'en haut, il y a une salle qu'on n'a pas explorée du tout en haut. Il y a une salle. Je suis chaud qu'on y aille, gros. On n'a pas du tout exploré. C'est où ça? Bah, c'est là-haut. C'est celle-là, elle n'est pas explorée. Là, truc de fusil. On a deux trucs pour le deuxième, on a deux trucs du fusil. Ok, attends. Faut que je fasse gaffe. Je vais me cacher, c'est plus simple. Le fusil, les gars, c'est combien d'items? C'est deux ou trois? Trois. C'est trois. Trois. Ok, on en a une dans la cuisine, une qui est là, et la dernière partie, elle est où, putain? Mec, ça va être trop chaud. On y est presque, hein. On a presque tout. Les gars, je veux pas me rater. Where are you? Ah, c'est vrai qu'elle nous enferme, on peut passer par là. Ouais. Les gars, en fait, je veux pas me rater sur la fléchette, ça veut dire qu'on aura plus de fléchettes pour endormir la meuf. Ça va être trop relou. Si, ils se réutilisent, ils m'ont dit. Oui, mais si je tire sur la cible et que je la rate. Ouais, t'es mort. Elle est coincée dedans, ouais, tu vois ce que je veux dire? Il nous en restera une, mais je sais pas où elle est, mais il nous en restera une. Il faut le marteau. C'est comme l'arbalète, mais les stocks. Faut le marteau et la pince, le fusil ça tue juste plus longtemps, c'est tout. Ok. Donc le fusil est useless alors. Tu peux mettre ça sur l'araignée, là, l'arbalète en fait. Ouais. Les gars, l'arbalète marche sur l'araignée ou pas? Je pense, hein. Attends, check s'il y a pas des trucs à. T'inquiète. Viens, on va explorer ça. Okay. Vas-y. On l'a jamais fait. Fais gaffe. Ça, c'est... Fais donc, gaffe. Ça, c'est le truc pour y accéder, ouais. Tu sais, on a la clé. Ah, on l'a. Vas-y, ouvre ça déjà, parce qu'on va arriver. Voilà, attends qu'elle vienne. Elle vient, je la shoot. Ah, tu la shoot? Je la shoot. Tu la joues comme ça? Fuck. Parce qu'en vrai, on peut la vivre tranquille. Elle vient, je la shoot. Ok. Allez. Gros, tu sais qu'à chaque fois tu. Oh, tu sais que j'ai eu un. Mec, j'ai eu un moment. j'ai eu un moment. Je me suis. Ok. Parfait. Ah! Oh putain de merde! Non! Je savais qu'il y avait un piège en plus. On le savait? Frère, il nous reste une chance. Frère. Gros, on le savait. Il faut prendre une planche de ce qu'on a pété pour la mettre on là pour savait, passer. Putain. Frérot, tout est sous contrôle! Ouais, mais l'arbalète, elle est où? Elle est en bas de l'escalier. Oh, putain. Elle est où l'arbalète? On est mort. Boîte, cavale! Lit! Putain de sa mère, t'as failli prendre le piège! Allez, frérot. Putain, on savait qu'il y avait un piège! On savait, on avait oublié! Elle a repris son piège. Donc attends, on a deux parties du fusil, il nous en manque juste une. On serait tellement bien, mec. Là, on a deux parties du fusil, il nous en manque une. On a tout exploré ou pas? Je sais pas, mec. Mais en tout cas, on peut. L'araignée, est-ce qu'on peut la niquer avec l'arbalète, les gars? Parce que la dernière fois, c'est là, si elle nous tue, frérot, je te jure, on va péter les plombs. Je te le dis, on va péter les plombs. Non, mais elle va nous canner. C'est sûr, elle va nous canner. Elle est là ou pas, la seringue? Ouais, là-bas. Elle arrive, tu l'enclumes. Vas-y, viens. Merci pour ce moment, les gars, vous êtes des cracks. Merci beaucoup, Rick, pour tes 50 euros. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. Frérot, j'ai très peur là de ma position. Reste ici. Dès qu'elle arrive, tu l'encules. Fais gaffe, elle du boulet. Oh. Wow, man. Mais elle rigole pas, tu sais. Casse-toi de là. Oh, elle arrive de plus en. Non.
Ok. Barre-toi. Ok, ok, ok. Elle arrive de plus en plus vite en fait. Tu veux qu'on check quoi là? Tu veux qu'on check là, quoi? Là, ouvre ce placard. Et ça, c'est pour se cacher, frérot. Monte en haut. Ok, viens, on check. C'est quoi qu'on a pas check? C'est cette salle. Elle se tourne tout le temps au sous-sol, chat, on est d'accord? Non, ça sert à rien, prends pas. Y'a rien, y'a rien. Fais gaffe, fais gaffe. Là, y'a rien. Là, on a déjà check. Fais gaffe! T'inquiète. R, R. On a déjà check, frérot. On a tout check. Ici, on a déjà check. Là, y'a la pièce de truc, elle est là. Ça, c'est check. S'en bat les couilles. Ok. Je vais remonter, je vais attendre là-haut. C'est le grenier, hein. Faut qu'on fasse tomber. C'est un tournevis, frérot. Faut qu'on le fasse tomber. Oh, c'est le tournevis! Ouais, faut qu'on le fasse tomber. Moi, pour moi, c'est la priorité. Ok, bon, on va faire ça. T'inquiète. Donc, ça, il nous faut une planche pour passer. Surtout, descend pas. Il me propose pas, mais y'a l'araignée là qui campe, cette grosse. Ouais. On a tout, gros. Ah, mais c'est bon, regarde. Faut le tournevis. Ok, il me faut le marteau pour prendre une planche et me faire le passage. Mais l'araignée va nous tuer, donc c'est mort. Donc là, on a deux options. Soit. Oh putain, je suis excité. Tournevis. Ou. Ça, on a la clé pour passer. Le chat, vous votez quoi? Tournevis ou clé pour passer? Moi, je vote tournevis. Hein. Je te dis, dans le tournevis, il va y avoir un item. On va ouvrir un truc, il va y avoir un item. Il peut peut-être nous débloquer un truc dans la game. Ouais, mais là aussi, on aura un item, gros, derrière la porte. Pour moi, la porte, c'est juste ça relié au jardin ou un truc comme ça. Allez là, elle vient ou quoi là? Oublie pas, t'as ce passage là. Ouais, tu peux descendre direct dans la cuisine. Allez, putain. Tout le monde me dit clé, moi. Tout le monde me dit clé. Bah, go clé, hein. Clé? Ouais, go clé, hein. On la prend tout en bas. Mais du coup, t'auras plus l'arbalète. Elle a posé un piège, mais elle m'entend pas, putain. Mec, j'ai trop peur d'aller là parce que si on a un bataille. Non. T'auras plus l'arbalète, mon ref. Bon, vas-y. Merci, viens. Théo. On descend dans la cuisine, t'es chaud? Vas-y. Fais tomber ça. Elle. Ah ouais, mais. T'as des réflexes. Oh là, okay, attends qu'elle passe. Non. Frérot, tu sais que j'ai pas appuyé. Frérot, tu sais que j'ai pas appuyé. Je me suis pas décalé. Mon perso, il est tombé. Non, pas après tout ça. Je me suis pas décalé, mec. Non, pas après tout ça. Non. Bon, frérot, écoute, c'est pas grave. Pour une simple et bonne raison. On trouve la clé de la weapon et c'est gagné. Non, mais en vrai, on trouve la clé de l'armoire. En vrai, ça se fait vite. Ça se fait vite. On a tout. On trouve la clé de l'armoire. C'est gagné. En vrai, maintenant, on connaît tout le jeu, donc ça va aller vite. Le chat. Mettez-nous un maximum de vous allez le faire les gars. Allez, ça va nous encourager, on lâche rien. J'en ai rien à foutre, celle-là c'est la bonne. Frérot, gros, c'est l'arbalète. Si on a l'arbalète, on a gagné. C'est arbalète. Sauf si je fais un move de débile comme je viens de faire, mais arbalète, sinon, c'est la mini clé. Je me rappelle de c'est laquelle, gros. Donc c'est gagné, frère. Et regarde ce qu'on fait. On la tranquillise. Toutes les clés. Regarde, on repère où il y a chaque objet. T'en retiens 3, j'en retiens 3. OK. OK. Quand on la tranquillise, je cours jusqu'à l'objet, je l'amène là pour débloquer le truc et je reprends l'arbalète. Et tu la retranquillises. J'ai envie de te sucer quand tu dis des trucs de génie comme ça. Allez, let's go. Vas-y, go. Ça, cette salle, on la clean. Donc là, là, y a rien. On peut se permettre de faire de la merde tant qu'on n'a pas trouvé la clé spéciale, on s'en bat les couilles. Faut pas perdre des vies, quoi. Faut juste pas perdre des vies. S'en bat les couilles, y a rien, tu vois. Elle va arriver, hein. Elle est là. Ah, j'ai le chat qui a crash, je le remets. Allez. Moi j'y crois, chat, je vous le dis. Mais la tête de homme, gros, on va le finir ce jeu, frère. Merci beaucoup, Blaze, merci beaucoup. C'est quand vous faites une aventure Dofus Touch. Oh. Ah frérot, j'ai jamais joué ça. Ah, t'as joué à Dofus toi? Ah mais ils t'ont fait jouer non? Ils t'ont pas fait jouer non, à Minibili? J'ai jamais joué moi. Oh frérot, faut qu'on joue. Oh tu vas kiffer. Vraiment? Ah tu vas kiffer. Après c'est ton délire les MMORPG ou pas? J'ai jamais joué. Faut voir. Peut-être soit t'es méga accro, soit... Vous avez déjà joué à Dofus dans le chat? Bon mec, je t'explique. Il faut trouver... T'es pas mort là? Non, non. L'assassine. Oh je sais pas, là je vais mourir. Non, regarde. Le passage. Pousse qu'il y a là. Descends. Putain, oui. On est là. T'inquiète même pas. Ça c'est fait. Vas-y, viens, on explore. Vas-y, explore. On essaie de trouver. Il faut qu'on trouve la clé de la weapon. Merci, Marius. On trouve la clé de la weapon. Le problème, c'est qu'elle peut être cachée derrière un truc où il faut accéder avec un objet, tu vois. Clé de l'arbalète, ça va être chaud. Putain, y'a le truc des oiseaux et tout qu'on doit faire. Tranquille. Gasoline. Bon, voilà. Pour la moins, voiture. On a un truc. Pour la voiture. Laisse-le là, ça. Mets-le en bas. Ouais, je vais le mettre en bas, tranquille. J'ai fait tomber ça, donc elle va arriver de là-haut, donc on se recasse. Ok, on va aller voir au niveau de la voiture. Moi, je pense que c'est faisable, hein. Non, en vrai, ça va le faire.
Merci les gars, tous ceux qui sont là, qui mettent des pouces bleus, qui sont sur le live. Merci les gars, merci du fond du cœur. Ça, on va à la voiture direct, t'es d'accord? Ouais, on pose direct à la voiture. Ah, tu le mets direct? Bon, ouais. On peut. Hein. Bah, direct. Merci Nafis, il y a de la viande pour l'araignée quand tu mets. Quand tu mets l'assiette. Quand tu mets quelle assiette? Après, tu la cannes avec la flèche. Il y a de la viande pour l'araignée. Mais comment tu mets la viande? Je sais pas. Faut trouver comment il la mettre. Il faut le marteau. Après, mec, tu la cannes avec la flèche. On sait où accéder de toute façon à quoi. On est trop chaud là. Merci Sid. On sait qu'au grenier, il faut soit la clé bizarre, elle vient de passer. Merci soit à toi. Le marteau pour péter une planche et avoir le passage. Mais là, la priorité, c'est l'arbalète. Le seul mystère, c'est comment on fait pour niquer l'araignée. C'est le seul truc qu'on sait pas. Si, il te l'a dit, faut mettre la viande, t'attends qu'elle mange la viande. Mais on n'a pas la viande, on n'a jamais trouvé de viande, frère. La viande, je sais pas comment faire. On n'a jamais de viande. Comment on récupère la viande, le chat? Pour moi, c'est le gros steak qui tombe. Mais tu peux pas le récupérer. Il faut trouver le steak, ouais. Tout le monde me dit, il faut trouver le steak. Mais je crois qu'il est bien caché, le steak. Il est bien caché, le steak, ça, je te le confirme. Comment on met de l'essence là aussi? Je sais pas. Là-dedans? Logiquement, le moteur c'est devant. Je sais pas, mec. Je comprends. C'est où qu'on met la gasoline? Il faut la clé. Pose-la, hein. Pose-le, on s'en bat les couilles. Ouais, mais du coup, elle va venir, c'est relou. Ah! Ah, mec, regarde. Mais frérot. Quoi? J'ai compris un truc. Qu'est-ce qu'il y a? T'es prêt? De toute façon, c'est simple, c'est maintenant ou jamais. T'as compris quoi là? Attends! Regarde! Comment il cavale, gros! Attends. Gros, il cavale, hein. J'ai compris un truc. Maintenant. Allez, hop là! Allez, ça brûle! Casse-toi de là maintenant! Ça brûle! T'en as pour combien de temps? Je sais pas. Bah, explore, bombarde! Explorons. Regarde, on identifie tout. Moi, je retiens. On a pour combien de temps, les gars? Playhouse K. Ça sert à quoi ça? Je n'ai pas la moindre idée, là y'a rien. Fusil? Si, y'a un fusil. Truc du fusil. Ah, rien, elle est dead pour une minute. Ok, fusil, hein. Fusil, hein. Ouais, je sais. Y'a un truc du fusil où t'as dit y'a rien. Donc, ah ouais? Je me rappelle, ouais. Ah ouais? Ouais, okay. Fusil. Là-dedans, y'a forcément des trucs. Witch Handle. C'est pour le puits. Le puits. Là-dedans. Fusil. Shotgun. On a le truc du poivre. Et oiseau. On a tous les trucs du shotgun. Et on a le truc pour l'oiseau. On a le truc pour le puits. Oh, 200 cuits. Oh, tu l'as enculé, la mémé. On n'a pas la seule clé qui nous intéresse, frérot, on l'a toujours pas. Check là-dedans. Fusil, on a les trois trucs. Non. Si, on a les trois trucs. Jure la vie de ta mère. La tête de WAM, on a les trois trucs. Let's go. Frérot, si ce que t'as vu, c'était pas le fusil. On a les trois trucs, les gars, on est d'accord, on a les trois trucs. J'ai vu, je suis pas fou. Frérot, j'ai full confiance, je te crois. Dis-moi sur Insta, mon ref, Uzi. Merci, Skyny. Frérot, je te crois, j'ai full confiance. Merci, Martin. Les gars, je crois qu'on a les trois trucs. Je crois qu'on a les trois trucs, je suis pas fou. T'es sûr? Je suis pas fou, j'ai vu. Je suis pas fou. Attends, elle est là? Je sais pas, mec. Bah, là, maintenant, elle va arriver, là, ça c'est sûr. Ouais. Si, je crois que j'ai vu, frère. Je sais, on avait la clé de la cabane. C'est bon, on a le fusil. Ok. Ça veut dire le fusil, c'est mieux que l'arbalète. Vas-y. On est les rois du monde. Attends, non, les balles de fusil, tu pourras pas les réutiliser. Il y en a trois. Tu pourras pas les réutiliser, par contre. C'est pour la mini maison, la clé bleue. Ouais, on sait, celle qui est dehors. On avait la clé de la playhouse, c'est la maison qui est dans le, tu sais, qui est dans le jardin. Tu sais, la petite maison de merde. On a la clé pour ça. Okay, on et clé. On a aussi, elle était où? Et on a aussi la manivelle. Là, elle est là où j'ai pris ça. Elle est dans la chambre. Dans la cuisine, il y a les trucs à oiseaux et les deux parties de shotgun. Ok. Et il y a le levier aussi dans la cuisine pour. Levier pour le puits. Il sert à quoi le levier du puits, les gars? Ça nous amène un objet, je pense. Granny 2 existe. Vous savez quoi faire après? Merci mon ref. Bah. On va manger indien, frérot. Après, manger indien bien comme il faut. Voilà, okay, je sais où sont les autres trucs. Elle arrive, le blé. Pas sûr qu'elle arrive. T'es sûr? Je sais pas. Normalement, ça sent bon. Je le dis, cette game sent très très bon, les gars. Illimité les balles, y'a un mec qui m'a dit. Non. C'est vrai ou pas? Non, y'a 9 balles. De fusil dans la maison. Okay. Et y en a 3 devant nous là. Moi j'aimerais bien, je préfère l'arbalète, c'est réutilisable. Non, l'arbalète, les gars, l'arbalète c'est mieux que le fusil. À quoi? Quelle est la différence entre l'arbalète et le fusil, les gars? Elle est là? Elle est là? Oh, tu l'as remis une minute. En fait, je pense que ça, c'est fait pour faire le jeu en attendant que t'aies le fusil ou l'arbalète. Ah. Et du coup, si on l'attire à la répétition ici. Et qu'on fait le bail de fusil ou l'arbalète. Trop bien, mec. Ah oui, c'est 200 de cuit ça. Faut jeter un truc dedans par contre. T'inquiète, y'a déjà ça.
Voilà, parfait. On fait ça H24. On fait ça, tu vois. Jusqu'à ce qu'on ait l'arbalète et on est bien. Exactement. Elle arrive. La clé rouge et la pince égale game fini. Ok, bah on a ni l'un. Clé rouge et pince. Clé rouge et pince, mais on a ni l'un. Ok, c'est bon, go. Espèce de débile. Ça dégage. Chez. Allez hop, chez. Allez, une minute. Une minute, ça nous laisse le temps. Merci beaucoup, Tim. Merci beaucoup, grosse dédicace, Maïka. Merci, Maïka. C'est bon, on a une minute, hein. Ouais, ça nous laisse le temps d'aller le prendre. Le fusil, je sais. Gauche, derrière. Non, derrière c'est toi. C'est là-bas. Non, il y a un autre truc aussi. Non. Fusil. Voilà, fusil. Vas-y, tu peux y aller. Elle disparaît du truc ou pas? Ouais, je pense. J'ai peur qu'elle revienne. Si elle revient par là, on est mort. On est mort. Jette ça ici et prends le deuxième. Prends l'autre truc du fusil. Attends. Elle est sortie, mec. Elle s'est échappée, tu peux la tuer qu'une fois. Ah! Ça marche qu'une fois. C'est pour ça que je me suis barré. Elle est sortie. Les gars, ça marche qu'une fois le truc du sonar? Ouais. Elle est ressortie là. Ok. Bon, au moins on va avoir le gun là. Le gun, ça va la mettre bien KO. C'est ce qu'on va faire, on va faire du bruit là-haut. Ouais, on va. La pince est à côté, ok, on va voir, vous en faites pas, on va check. Tableau que vous pouvez faire tomber dans la chambre devant la porte du grenier. Une clé dans la boîte, il peut aussi y avoir une clé dans la boîte. Le fusil à skip, c'est 2 minutes. Parfait. Grosse dédicace, Timéo, merci mon ref. Parfait, on se casse. 1 minute 30 à skip. Le fusil. Ok, l'arbalète sert à choper le tournevis en haut de la truc aussi. C'est bon, moi je crois qu'on a tout là en tête. Hein. On a tout là, mec, on est tout. Bien. Moi je sais où est le dernier truc du fusil, je sais où c'est, faut que tu m'écoutes. Vas-y, déjà je vais ramener lui. Ok. Fais gaffe. Oh là, non, pas le choix, mec. C'était sûr. Cache-toi direct dans le truc après. Ah, d'abord, ok. Ok. Donc on a le deuxième et la troisième, c'est où elle est, je vais t'écouter. Frérot, quand on a le fusil, je la déglingue, je te le dis. Quand t'as le fusil, tu la tues, frère. Ouais. Fusil peut tuer l'araignée. Et on a la clé de du playhouse, donc faudrait peut-être aller au playhouse. Direct. Voir si un truc, moi, je suis chaud, on va au playhouse. Et on a les graines de l'oiseau. Et on a les graines. L'oiseau donnait quoi? La pince. Ultra important. Bah ouais. Ultra important. On a plein d'allers-retours à faire. Le blème qui est relou, c'est que tu peux pas avoir deux objets, tu vois. Ouais. Elle est encore là, l'autre? Ouais. C'est l'arbalète, tu peux pas tuer l'araignée, tu peux appuyer sur le bouton. Elle est où la clé de la cabane? Elle est dans la cuisine, les gars, la clé de la cabane. Ok, l'autre elle est en haut, je pense. Ouais, elle est au-dessus. Ok, ouais. Et chez où le dernier truc? Ok, tu sais où il est? Ouais. Il est juste en haut là? Tu vois, en haut. Il y a une salle. Rez-de-chaussée, tu parles? Ouais. Ouais. Il y a un trait avec la sonnette et il y a une salle derrière. Ouais. En face de la cuisine. Ouais. Il est là, dans le placard. À gauche. Le problème, c'est qu'elle est là, frérot. On va galérer. Regarde, il est là. Regarde bien. Ah non. Oh, frérot, je vais te tuer. Oh, frérot, je vais te tuer. Oh, je veux te tuer. Oh, t'es relou. Oh, t'es relou. On est mort. Oh, la salope. Eh les gars, j'étais pour. C'est pas ta faute. Mais j'avais dit que c'était. Merci Kevin. C'était gros, ça. J'étais pourtant sûr de l'avoir voulu. C'était une pièce de puzzle. Pas grave. On a fait tout en bas. On sait qu'il y a le truc du puits et les graines pour oiseaux. Ok. Graines et puits. Viens, on fait ça. On prend graines et puits. On fait maintenant. Je sais pas, mec. J'aimerais bien trouver la clé de l'arbalète, quoi. C'est une clé. T'as direct une arme. C'est oui, tellement. Oui, mais c'est fumé, sûr que la mec. Clé de l'arbalète, elle va être cachée dans un endroit. Frérot, on n'en sait rien. Regardez dans la salle là-bas. Prends pas le puzzle. Hein. C'est pour la voiture. Pour la voiture. Ça, c'est pour la voiture. C'est pour la voiture. On a essence on et a moteur. Essence, il nous manque moteur. Les clés de la voiture. Bah attends, c'est une des fins. La voiture est une je des sais, fins. Je sais, il nous manque juste les clés, c'est bon. Micro-ondes. On n'a pas check le micro-ondes. On n'a pas check le micro-ondes. S'il y avait un truc dedans. Non, il y avait rien. Ah non, on a pas check le micro-ondes, mais ça fait faut un bruit check. De fou. Ça faut fait un bruit de faut check dans l'arbalète. Ouais, mais ça se trouve, il y a la clé dans le micro-ondes en fait. Ça qui est chiant. Putain. La clé, les gars, elle est dans un truc qu'il faut débloquer ou elle peut être en plein milieu? Là, il y a l'arbalète, il y a une pièce. Vous entrez dedans et à droite, à gauche, il y a un bouton. Attends, regarde. Ok. Passe par là, hein. Passe par les cartons. Elle va arriver par là-bas, de toute façon, tu le sais. Il y a rien. Il y a un truc derrière les cartons, hein. Faut toujours check. Hein. Et t'as raison. Il y a une salle derrière les cartons.
T'as raison, mais là, c'est un peu tard. C'est quoi ça? Le fusil! Frérot, la vie de ma mère, on est béni. Avance! Faut que je me casse. Casse-toi! Y'a les graines? Ouais, les graines. Yes! On a le fusil! On a le fusil! Let's go, les gars! GG! Let's go! Donc, attends, viens le temps qu'on est à l'abri. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le fusil? On prend les graines ou. Graines, on nourrit le piaf. Ensuite, on a la manivelle. On nourrit le piaf. On prend le truc du piaf. On prend la manivelle pour le puits. On fait le puits. Et là, faut monter voir le derskader carton. Il y a un item dans la salle où il y a les cartons qui cachent. Donc, avec une balle, en 1 minute 30, est-ce qu'on aura le temps de faire. Non, d'abord, avec la balle, vois ce qu'il y a derrière les cartons. Viens, on identifie tout. Ok. Ok, ça me va. Merci en tout cas à tous ceux qui sont sur le live, qui s'abonnent, qui mettent la cloche, le pouce bleu. N'hésitez pas, ça fait plaisir, les gars. Cette merde là, putain. Quand ça casse les couilles. Mais est-ce que ça c'est pour l'araignée ou rien à voir, chat? Non, rien à voir avec l'araignée, ce truc là, chat. Non, Corentin, on fait pas Granny 2 aujourd'hui en tout cas. On va essayer de finir le 1, ça serait beau. Ce serait déjà merveilleux. On est obligé d'y arriver. C'est le moteur. On sait qu'il est là, ok? Fais gaffe, ça peut tomber ça. Elle l'a refermé, ça. Cavale. Si elle est en bas, on est mort. Ouais, si elle est en bas, on est mort. Mais elle est pas en bas. Ok. Ok, on a le shotgun. Merci en tout cas, les gars, de regarder le live. Ça fait très plaisir. Merci, les gars. Ok, shotgun, vas-y, trace. Shotgun. Tu le prends direct. T'inquiète même pas. Oh putain! Ah merde, faut revenir prendre une balle à chaque fois, mec. Bah, je pense déjà, faut qu'elle vienne là, on la bute et ça nous fait un. Donc, ça, on l'a, l'essence, on l'a. Viens, check la boîte à gants. Fais gaffe derrière. Frérot. Y'a une clé? Weapon. Oh, ta descente de cul, malogueux! Bien, ouais, ça! J'aurais été toi, je me serais cassé. Moi, ce que j'aurais kiffé, ça économise une balle, tu te mets dans le casier. Pas faux. Non, non, move de génie, tu la tues, tu prends la clé, tu jettes le fusil et tu vas chercher la balette. Moi j'aurais bien aimé, avec le fusil, tirer sur la cible. Ah oui. Elle est morte. prends le truc. Vas-y, barque-toi, go. Frérot, fuck you. Tu l'as atomisé. Y'a pas de... voilà. C'était par où déjà? Là. Non, le truc pour tirer, frérot. Non, c'est là. Non, c'est où? Dans les égouts là! De l'autre côté. Je sais comment y aller. Tu descends par la trappe. Ouais. Bien, wesh. Oui, on arrivera direct devant. Let's go! Ça sent très bon cette histoire! Y'a pas de boulet drop, chat, ne mentez pas. Fais pas le bruit, ouais. T'inquiète. Au pire, en vrai, de toute façon, on peut passer par là. Non. C'est bon, parfait. Hop, let's parfait. Go. Comment on l'a atomisé? Ah, je l'ai exterminé. Ok, et là, y'a pas de bullet drop. Chat, dis la vérité. Non, je pense pas. Je pense pas, frère. C'est le fusil. T'as déjà vu un bullet drop? Yes, le marteau! C'est quoi ça? Freeze trap? Ça la congèle! Tu le mets là? Non, c'est inutile. Inutile, je pense. Fuck. Regarde sur le mur s'il y a pas un truc. Le hammer, on en a besoin, frérot. Viens, on fait tout ce qu'il y a à faire avec le hammer. Tu le jettes. On fait tout ce qu'il y a à faire avec le hammer. Là, tu l'as. Tu fais tout ce qu'il y a à faire dans la maison avec. Ouais, mais... Elle arrive. Il y a quoi à faire avec? Bah... En haut. Au grenier. Oh, elle a été congelée. Allez, une minute. Ah, mais ça sert à rien. Ah si, tu peux monter. Si, et le... Est-ce que le freeze trap, il marche tout le temps, les gars? Regarde la chance qu'on a. Merci Anti, merci mon ref. Parfait. Prends la planche directe, amène-la là-haut. Non, c'est une autre planche. Le steak! Putain de sa mère! Monte direct le steak au grenier, comme ça il est prêt. On a le temps. Et prends direct les graines du corbeau. En redescendant, tu prends les graines dans la cuisine. Il y a des balles ici, à savoir. Dans cette pièce, il y a des balles. Ok. Il y a des balles de fusil. Dans cette pièce, il y a des balles, je m'en souviendrai. Ok. Il nous faut l'arbalète. Cuisine, donc la pose ça là. Voilà, laisse-la, on le prendra. Il nous faut l'arbalète. Non, descends par la cuisine. Frérot. Va dans la cuisine, prends les graines de oiseau. S'en bat les couilles. Non, comme ça tu vas pas les mains vides, ça fait un aller-retour en moins.
Je veux juste l'arbalète là. Ah oui, la clé, oui, t'es pas con. Merci Nixai. Pas de soucis, Kazu, merci pour ta donate. Elle a réapparu là, faire gaffe. Ouais. Ok, comme ça on a l'arbalète. Let's go! Le fusil, on se le live, l'autre gros, côté. Il est incroyable. Ouais, ouais, c'est trop dedans. Génial, là. C'est génial, je suis à fond dedans là. J'espère que vous passez un bon moment, les gars. On va y arriver à ce jeu de merde. Arbalète. On a le marteau. Il y a des balles dans la pièce en haut, j'en ai vu trois. Trois balles de fusil. De fusil, ok. On a mis où le marteau là? En. À la pièce où t'as cassé. Là où il y avait la viande. Là où il y a la viande. Donc, et en plus, là où il y a la viande, c'est là où il y a la aussi l'eau. Le move de génie. Ok. Move de génie. Vas-y. Arbalète, graine oiseau. C'est ce que tu fais là. Arbalète, graine oiseau. T'inquiète, t'inquiète. Bien, wesh. Bien, wesh. Mais quand tu fais des trucs comme ça, j'ai envie de te prendre le chibre. Putain. J'ai pas fait exprès, mon ref. Ah. Mais je kiffe grave les compliments et tout. Okay. J'ai pas fait exprès. Prochaine fois. Tournevis aussi. Faut pas oublier. Ouais. C'était pas il là, est là le marteau. Il est pas là le marteau, normalement. Putain, je sais plus où on a mis le marteau, mec. On en a besoin, c'est très relou. Check les cartons. Ouais. Donc fais ça. Prends. Check les cartons. Attends, elle va arriver. Bien joué. Ah. Elle s'est pris ou pas? Ouais, elle s'est pris. Hop, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Y'a rien. Ok, ok, tu veux qu'on aille où? Et graines, go. Graines ouais, dans cuisine. La truc, ok. Putain. Allez, casse-toi là. Merci Kélias, merci. Regarde, elles sont là les balles, tu le sais. T'es un boss. Les graines, t'es sûr que tu veux qu'on prenne les graines? Ça en bat les couilles, non? Mais c'est pour le corbeau, y'a un item, okay, on est obligé. Vas-y. Elles sont là, non? Elles sont là. Et attends qu'elle revient. Pour le grenier. Le grenier. On peut faire grenier. Vas-y, on a tout pour faire grenier. Go faire. T'as dû attendre qu'elle revienne, lui mettre une arbalète dans le cul. Attends qu'elle revienne, tu lui mets une arbalète dans le cul, t'as la balle. Comme ça, tu fais le piaf pendant qu'elle est pas là. Pendant qu'elle est morte, tu fais le piaf. Et quand on remonte, tu trouves la bonne strat pour revenir avec l'arbalète et la balle. T'es un boss. Et pour faire le piaf, tu descends par là direct. Fais pas tout le chemin, ça ira plus vite. Tu passes par la fenêtre et tu descends dans la cave, ok? Okay, t'es un boss. T'es un boss, putain, j'aime ce copilote, putain. Il est brillant, bordel. Et dès qu'elle arrive, tu l'encules. Je fais que du bruit, là, ouais, là. Te loupe, hein. Ok, go, c'est prends bon. Les graines. Je laisse la balette. Laisse la balette ici. Je prends les graines, elles sont là. Truc du grenier, dans le micro-ondes. Ok, par la fenêtre. Par la fenêtre. Ok, je compte, hein. Il te reste 45... C'est là. Ok. T'as le temps de ouf. Ok, allez. Il te reste 35 secondes. Allez, on est bon. Frérot, on va y arriver, on n'a jamais été aussi chaud de notre life. Trop chaud. Et là, je reprends le fusil, ok? Ok, mais... Go. Bâtard. T'as l'engrenage. Il sera utile, je pense. Il sert à quoi? Je sais plus, il sert à quoi. Bon, viens, on le met là. Je reprends ça, clac. T'as le fusil? Bah, je remonte à l'étage, je prends une balle, je lui mets une balle. Fais gaffe qu'elle arrive pas. Frérot, regarde. Les balles sont en bas, tout en bas, tu peux en ouais, avoir. Ouais, il y en a aussi là où tu m'as montré, mais vas-y. Ok, comme ça on est tranquille. Oh là là, on est trop bon le chat! On est bien. On sait que dans la pièce où il y avait ça, du coup, on sait que maintenant il y a un engrenage, ok? On sait toujours pas à quoi il sert l'engrenage. Et là, on peut Et dans le micro-ondes, il y a la clé pour le grenier. Il faut juste qu'on retrouve le marteau, frérot, je sais pas où je l'ai mis. On a oublié où on l'a mis, mec. Tu l'as. Pour moi, il est là-haut, tu l'as acheté. Ça on sait, sait où c'est. Et il nous manque la clé de la voiture si on veut s'échapper par la voiture. Frérot, là on fait le grenier. Ouais. Garde le fusil pour le grenier. Claque ta balle et ensuite tu prends les balles de là-haut. T'attends qu'elles viennent, tu claques ta balle, tu prends la balle de là-haut et tu vas direct au grenier. Il faudrait. Au grenier, il y a déjà la viande, il nous manque le marteau et on. Cuisine et... Cuisine la clé du grenier. Où est le marteau, mec? Qu'est-ce qu'on a fait du marteau? Ah, on en a besoin. Mais ouais, pour péter une porte. Il est où le marteau, le chat? Il est où le marteau? Pour moi, faut tuer l'araignée direct. Bah, là le rêve. On peut tuer l'araignée? Est-ce qu'on peut aller tuer l'araignée maintenant? On peut? Non, parce que je peux pas passer le truc puisque j'ai pas le marteau. Où mais on a lâché non, le mais marteau? T'es obligé de passer. Tu la vois l'araignée? Tu m'avais dit que tu l'avais vu. Marteau, il est dans la salle de la cible, frérot. Putain. Merci. Non, Uzi, on la voit pas l'araignée. Non, on la voit pas tant qu'on a pas fait. Ah, on voit truc. Pas. Ok. Merci beaucoup Uzi pour ta donate. J'essaierai d'aller voir mon ref, mais je te promets rien. T'aurais dû me l'écrire ici le message, mon ref. Merci infiniment en tout cas. Ah ok. On dédicace Slays et Squeezie. Merci beaucoup. Vous êtes sur marteau de là où vous pensez, chat? Merci Sen. Le marteau est où? Ils disent que c'est dans le salle où il y a le steak, mais je crois pas, mec. Je crois que. Si. Non, tire pas. T'as une balle, hein. Je suis patient, frérot. Le marteau avec l'oiseau dans les égouts.
Non, là c'est pas le marteau, mec, c'est l'engine. Non, non, mais attends, regarde un peu. Cherche. C'est l'engine, c'est l'engine. Non, mais derrière, peut-être derrière. Ici, non? T'es un génie. Ouais, il est là. Voilà, il est là. Ok, moi ce que je kifferais là. Ah, mais le blème, c'est que si je lui mets une balle à elle. T'auras plus de balles, frère. On a l'arbalète qui est dans la cuisine, mais est-ce qu'elle marche sur la. Si, j'aurais toujours des balles. Dans la chambre, il y a des balles. Ça? Ok, je sais ce qu'il faut faire, frérot, je sais ce qu'il faut faire. On lui met une balle pour jouer safe. On prend le marteau. On l'amène au grenier. Je fais ce qu'il y a à faire. Je reviens ici prendre le fusil. Je monte dans la chambre. C'est sur le chemin. Mec, c'est bon, je sais ce qu'il faut Oublie faire. Oublie pas la clé du grenier. T'inquiète, elle est dans la cuisine. T'inquiète même pas, t'inquiète. Faudra Allez, viens là. Allez, viens là. Tu la shootes. Tu prends le marteau. Tu casses tout ce qu'il y a à casser dans le grenier. Le steak, il est là-haut, les gars. Le steak est là-haut, vous inquiétez pas. Lâche pas le... Elle viendra que d'ici, de toute façon. Ouais, tac, 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 ça, je l'amène en haut. Casse-toi de la débile. Non, frérot. Regarde. Passe. 40 secondes, il te reste 40 secondes. J'amène ça, je prends le fusil, et frérot, c'est royal, je t'explique ça. 40 secondes. Il me reste plus que ça, t'as pas compté, bâtard. Inox. Il te reste 35 secondes. Mais Inox, tes secondes, elle passe trop vite, frérot. Ouais, mais... Non, regarde, c'est bon. 30 secondes. Non, c'est bon. Les clés sont dans la cuisine. L'arbalète, bien vu ça, bien vu. Mais quand t'es bon non, comme non, ça, je vais mais... prendre le fusil, je vais prendre le fusil. Ah non, moi j'aurais pris l'arbalète. Je vais reprendre le fusil, frérot. Mais non, prends l'arbalète. C'est par où je venais? C'est d'où? Ah, c'est là. Prends l'arbalète, elle va être où il y a le fusil, frère. T'es mort. Mais non, parce qu'elle, en fait, elle respawn. T'es sûr de what? Mais ouais, elle respawn, frérot, t'inquiète. Tu vois? Ok. Bien, wesh. Ça va et toi, Nolan? Merci beaucoup. Si elle est là, on est mort. Viens, wesh! Clé dans la cuisine. Clé dans la cuisine. Clé de quoi? Pour le grenier, on peut pas. Il y a la clé du grenier dans la cuisine. Pour ouvrir la porte là-bas, c'est la clé. Mais on n'a pas besoin. Bah, si tu veux mettre tout ce qu'il y a dans le grenier là-haut, on peut le faire maintenant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça sert à quoi? On n'en a pas besoin pour ouvrir la porte, là. Ouais, mais il y a peut-être un item derrière, c'est ça? Ok, excuse-moi, les gars, j'étais extra focus, chat. Je suis désolé, je suis de retour parmi vous. Excuse-moi, frérot. Non, mais là, j'étais focus à mort. Gros, soit on va dans la cuisine, on prend la clé, on ouvre. La pièce où t'as dit qu'il y avait rien, bah en haut à droite y'a un truc rond, tu cliques, ça ouvre une truc. Oh mec, je crois qu'elle est touchée. toi aussi. Je sais que toi aussi. Il y a eu un eye contact là, c'était. Ok, en fait, ok, t'as raison, faut faire la spécial K. T'as raison, faut je faire pense, la spécial K. Ouais. Donc moi, ce que je te propose, c'est extrêmement simple. Tu descends avec le chosen, tu tires. Je sais pas si tu tires. Excusez-toi, vous êtes les boss, force à vous. Merci beaucoup, Nicolas, merci pour ton sub, merci beaucoup. Elle est morte. Mais gros, ça me fait trop rire quand elle meurt. Ah mais frérot, elle mérite. En bas. Ça, on va le mettre devant les balles. Hop. Comme ça, c'est fait. En bas, on va prendre la spécial K. On va ouvrir le grenier. Je reviens, je prends le fusil, je prends une balle. On nique l'araignée, fin du jeu. Qu'est-ce que je fais? T'en penses quoi de ça? Oui, c'est bon. T'es bon, là. Tu descends, tu reprends le fusil. Hein. Ouais, t'inquiète. Je vais juste ouvrir. Vas-y. Ok, pendant qu'on est là. Tac. F. Tac. C'est bon. Je descends, je prends le fusil. Moi, je serais pas redescendu. Bien sûr que si, mon frérot. T'as bien fait, mais fais gaffe, elle est derrière. T'inquiète même pas, mon gars. Elle est là, on lui remet une balle. Bien wesh, putain. T'inquiète même pas, mon frérot. En fait, on a le temps. Ok, on a une minute. Ok, je fais quoi? Je passe là ou je passe là? Non, moi. Non, attends, l'araignée fait bellec, elle va tuer. Elle va tuer. Y'a pas d'araignée, frérot. Pourquoi y'a pas d'araignée? Je sais pas, mais y'a pas d'araignée. Reviens, moi j'ai trop peur. Je pense qu'elle peut tuer là. On a plus de gun, hein. Frérot, je suis abattu. Frérot, je suis abattu. Essaye de jeter le gun de l'autre côté, sinon on l'aura plus jamais.
Jette le gun à travers les... Laisse-le là, à tout moment ça passe. Oh, t'as... Laisse-le là, à tout moment ça passe. Oh, à tout moment ça passe. Ah, merde, je peux cutter pour c'est prendre... C'est clé à molette. Clé à molette. Ok, au moins on le sait. Donc hein. Ça, il me faut la pince, comme mais ça il y a la clé à molette. Les gars, comment on se barre là, il me faut le hammer. Oui, mais là, il faut que tu cannes, c'est tout. Là, tu vas canner, frérot, t'es bloqué. Je sais pas comment on fait. Ah, attends, regarde derrière. Bâtard, hein. Oh, ça fait switch le canon. Laisse. Voilà, frérot. Ah, mais c'est bon, t'as... T'inquiète même pas, mon frérot. Vas-y. Wow. Tire pas, ça va tirer sur la porte. Mais regarde, ça... Recule. T'inquiète. Ah, mais ça te protège. Ça me protège, frérot. C'est une merveille, frérot. Ouais, elle veut pas bouger, par contre, hein. Non, c'est trop baisé. Non, c'est trop. C'est trop baisé. Non, c'est trop. Mais moi, je pensais que ça protégeait à un moment. Arbalète. 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 Non, mais il y a le fusil, on peut aller le prendre là. Oui, on peut aller le prendre. Fuck mon. Il y a la balle encore. On va prendre le fusil, on va la dégommer. De toute façon, elle commence toujours en bas. Elle commence toujours en bas. Vas-y, go. Oh, frérot, la dinguerie. Regarde le marteau. Elle t'a enculé. Ok, il y a la balle. Fais gaffe. Quand elle parle tout près comme ça, je déteste. Alors, du coup. L'araignée. Elle est où? Oh, il y a des balles, elle mec. Elle est ici, fais gaffe. Elle est là. Faut mettre le steak. Quand... Non. Pose le gun ici. Ah mais t'es trop con. Mais non. Oh non. Mec, il nous reste 2 vies. Mais ouais, elle résiste à tout, cette araignée, putain. Gros, tu poses le steak dans l'escalier. C'est tu mets le steak. Noir, la truc. Le, elle ouais, va aller ouais, sur elle va aller. Après, je tire. Ouais, je suis un connard, mec. Je suis désolé. Oh, le roi des cons. Putain, je suis un. Non, s'il te plaît, viens faire pas cette game. Non, t'inquiète. Oh, c'est la game de la win. Toi aussi, t'as envie de manger un dire. Te baiser. T'inquiète, c'est bon. Je prends le steak, je l'amène, je réchauffe le tronc. On a trop de chance, il y a des balles de shotgun pile à l'endroit, frérot. Allez. Allez, fuck you. Jette-le là. Frérot, elle veut pas. Faut l'acheter plus loin le steak. Mais non, mais. Le problème, c'est que l'autre, elle va arriver là. Je suis là-dessus. Attends, joue le temps. Faut jeter où le bout de steak, les gars? Check le chat, moi je peux pas, je suis obligé d'être là en mode. Je check le stat. Merci Nolan pour ton sub. C'est où qu'il faut jeter le truc? Oh, il y a une assiette. Il y a une assiette au bout de la salle. Mais comment j'y vais? Non, mais attends. Est-ce que s'il avance, il va se faire manger par l'araignée? Mais si j'avance, l'araignée, elle va me tuer, non? Jette un coup d'œil. Avance un petit peu. Ok, tu dois mettre le steak dans l'assiette. Je la bute? Ouais. La pute va arriver. Prends une balle. Pourquoi ça te bat du cœur, là? Ah! Je dois faire quoi avec non, ça? Non, touche à rien, attends qu'elle arrive l'autre. Elle arrive. Yes. Ok, je fais quoi? Je tire là? Je tire? Non, ouvre le truc là. Padlock? C'est quoi ça? C'est quoi padlock? Je pense c'est pour la porte d'entrée. Ça sert à quoi ça là? C'est pour enfermer la araignée. Frérot, fuck, on a la porte d'entrée. T'as l'arbalète en bas. Putain, mais c'est pas ce qu'il nous fallait, putain. Mais ça faisait pas 1 minute 30, frérot. Tricheuse. Frérot, ça faisait pas 1 minute 30. Attends, c'est le last day. Squeezie, mets-toi dans un tiroir. Mets-toi, fais un truc là. Va chercher la balette direct. Gros, c'est le last day, on a pas le droit de perdre là. On a tout, gros, c'est la porte d'entrée, gros, c'est la porte d'entrée. Oui, mais il y a plusieurs verrous, frérot, à la porte d'entrée. Grosse dédicace, Jim Pingle Cousin. Tournevis. Comment tu en fais pour le tournevis? Comment on fait pour le tournevis? Attends. Il y a padlock, c'est pour la porte. Ok, on sait où est la clé du padlock. Le problème, c'est qu'il y a 2 autres trucs sur la porte. Putain. Mais attends, elle a respawn grave vite. Fallait pas la tuer, fallait l'enfermer, l'araignée. Ah, fallait. Ah, si je tire sur le truc, ça l'enferme. Ça faisait 30 secondes. Ah, c'est que 30 secondes maintenant, l'autre.
Pourquoi c'est 30 secondes l'autre? Je sais pas. Attends. Les gars, pour la voiture, il faut quoi? Attends. Récapitulons. La porte, c'est trois éléments par truc. La porte d'entrée, on est mort parce qu'on a qu'une clé. Il va nous manquer le code et le truc à la télécommande. On les a pas. Et la pince, on est mort. La voiture, on a l'essence, on a le moteur. Et il manque un truc. Et on a un engrenage qui s'accroît probablement à ça. Attends, non, l'engrenage, c'est la porte du jardin. C'est dans le jardin. C'est à l'intérieur de la porte. On a essayé tout à l'heure, c'est pas ça. Ah, c'est dans la porte du jardin. C'est quoi la voiture et les trois trucs, les gars? Là, notre game, je te dis, ça va se faire à la voiture. Moi, je pense que c'est une game voiture. Je pense vraiment que c'est une game voiture. Elle est là, putain. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Je comprends pas ce qu'on peut faire là. Là, pour moi, ce qu'on fait... Il nous manque la batterie. On a le moteur et l'essence, il nous manque la batterie. La batterie, ouais. Elle est dans un truc où on n'est pas allé. Et il nous manque la clé aussi, il nous manque deux trucs. En fait, il nous manque deux trucs. La clé à molette, elle sert à quoi? Frérot, le chat, on a besoin de vous, on est perdu. La clé à molette sert à quoi, les gars? C'est pour la voiture. C'est pour la voiture? Ouais, c'est pour la voiture. On a les trois trucs. On a la clé à molette, l'essence, le moteur. Vous dédicace Elina et Todd. Et on n'a pas, malheureusement, on n'a pas la clé de la voiture. La clé bleue, ça va ouvrir la maison qui se trouve dans le jardin. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ça? Je crois qu'il y a un truc dans la maison du jardin. C'est sûr. Frérot, on a fait tout ça au grenier pour une clé qui ouvre la... Putain. Est-ce que la maison du jardin est importante, les gars? Parce que ça se trouve, c'est dans la maison qu'il y a le truc pour couper frérot, les câbles. Ce sera pas la bonne, je te le dis. Je suis désolé, mon ref, mais... Tu crois que c'est pas la bonne? Non, bah ouais, c'est pas la bonne. Frérot. Frérot. On a pas de chat. Il va se mettre à quatre pattes, là, la salope. On n'a pas eu de chance sur le grenier d'avoir une clé inutile. On n'a pas eu de chance. On n'a pas eu de chance sur le grenier, on a une clé inutile, les gars. Les gars, on a fait une heure pour aller chercher l'araignée, elle nous a donné une clé de merde. Putain, elle nous a fait une clé de merde là, putain. Non. On aurait dû check ce qu'il y avait dans le puits quand même. Maintenant, viens, on fait une règle. Quand on a un item pour accéder à quelque part, on va voir. Faut le check, gros. On va check, quoi qu'il arrive, tu vois. Allez, vas-y, putain. Putain, je suis dégoûté. Putain, les gars, on était trop bien partis. Ouais, mais là, t'as vu comme la game, elle était moins longue qu'avant et comme on a fait plus de trucs, en vrai, ça va vite, tu vois. Moi, les gars, ils me disent tout est important. Mais après, on a choke, gros. Engrenage plus manivelle égale puits. Et qu'est-ce qu'il y a dans le puits, le chat? Dites-moi voilà, exactement. Bah, vu qu'il faut deux items pour avoir le puits, il doit y avoir un vrai truc cool. À mon avis, un truc pour un objectif principal. Non, mais le tweet, le puits, c'est obligé qu'il y a un tweet de qui? Le tweet de qui? Le puits, c'est obligé, il y a un truc. Il y a un bouton dans la petite salle derrière les cartons. Bon, frérot. Bon, excuse, on a plus le droit de choke, ok? Frérot, c'est notre last try, je te jure qu'on va tout niquer, je te le dis. On a plus le droit de choke. Là, y'a rien, là, y'a rien, là, y'a rien, là, y'a rien. Là, y'a rien. Là, elle est en train de monter. Non, c'est bon. Toujours pas. On avance. Ok, là, y'a rien, là, y'a rien. Là, y'a rien, là, y'a rien, là, y'a rien. C'est bien, ça nous arrange. Il nous restera deux chambres à faire ici. Ok, là, y'a un puzzle. On s'en bat les couilles. On bat les couilles. Check ça. Elle est là, faut que je fasse gaffe. Si on a pas de chance, on est mort. On est vivant. Ok, y'a rien. Y'a rien, mais. Alors, c'est très bien, tant mieux. Y'a rien partout. Tant mieux. Ça veut dire que tout va être concentré. Et pas là? Je peux me casser? Je peux me casser, on va avoir un bad timing. Non, tu vas avoir un bad timing. One life. Il a posé un piège, tu l'as entendu. Tu reviens d'en haut là? Y'a rien, là, rien. Ok, vas-y. On peut aller check ça juste après. Ok. Désolé. Y'a rien nulle part là! Frérot, c'est une dinguerie comme y'a. Y'a nulle part là! C'est sincèrement une dinguerie. Technique du sauna. On peut la faire la technique du sauna. Faut la faire à un moment bien. Y'a rien. Je viens de capter un truc de baiser, gros. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a un puzzle à faire. Ouais, il est là. Il est là, il a une vie en plus, ouais. Mais on s'en bat les couilles en vrai de vrai. Bouton. Quoi, bouton? Y'a un bouton. Tu vois dans la pièce où y'avait rien? Ouais. Y'a un bouton à skip. Ah ouais? Il sert à quoi le bouton, les gars? Il sert à quoi le bouton, les gars? Ouais, à skip, tout le monde me dit un bouton. Ok. Check ici déjà s'il y a un truc. Y'a rien du tout. Dans le coffre, non. Y'a rien, mec. Pas de lock key. Mec, on l'avait. On avait fini la game. Non, on avait fini, je crois. Mec, on avait tout. On avait fini la game. Mec, on avait tout. Non, on avait pas la clé de la voiture. Parce que regarde, je crois que quand t'es dedans,
tu vois. Ah non, bah non. Non. Mais on avait tout. Allez, fin de la blague. On avait tout, frère. On avait tout, frérot. C'est horrible, mec. Mais oui, attends, frère. Attends, attends, regarde. Non, non. Batterie. Ah, on ouais, avait pas la batterie. La batterie, on l'a pas. La batterie, elle doit être dans le puits ou dans un truc comme ça, frérot. Ah, Skip, il y a une place secrète quand t'appuies sur le bouton squeeze. Allez, hop, ça c'est fait. Ouais, ouais, déjà, ça, ça nous arrange ça, le baiser. Excellent. Ça nous arrange le baiser. Il y a un truc secret quand quoi? Tu vois le bouton dans la salle spéciale? Ouais. C'est un passage secret. Donc elle arrive. Elle arrive. Tu lui fais information dans le sauna? Ah non. Elle ira pas, j'ai rien lâché dedans. Dans l'UPI, il y a une pastèque, faut la couper, ça donne une clé. Je vous crois pas. Il y a un mur derrière la porte du garage devant la voiture. Non, c'est un bait? Oh waouh, attends les gars, derrière la porte du garage, on est direct sorti ou pas? Alors ça, si c'est un bait, c'est trop baisé. Ah non, frérot, on va pleurer, je te le dis. Dans la voiture, il a une clé. Ok, bon, frérot, là-haut, il nous reste une chambre à faire qu'on n'a pas faite, celle de droite. Et on a fait le haut déjà. C'est là, en fait, il y aura tout dans la cuisine. C'est le truc. Il va tout y avoir dans la cuisine, mec. Ça va être un premier étage, il y aura. Oh non, frérot, c'est trop ça. Elle est pas loin en plus. Moi, je serais toi, je me le prends. Je me cache. Et je jette un truc. Dans le sauna. Tu peux pas jeter un truc dans le sauna. Non, j'ai rien, j'ai rien. Putain, fais chier là, elle est relou, elle nous a bloqué en bas. La batterie, on l'aura quand on aura utilisé le tournevis. Ouais, mais en fait. C'est aléatoire. Ouais, mais les gens ils disent c'est un bail, donc viens, on regarde ce qu'il y a sur la porte et on se concentre sur la porte. Ok. Il nous faut, il nous faut la sortie du garage, les gars. Elle marche ou c'est un bait? Tu sais ce qu'on va faire là? Regarde, je sais ce qu'on va faire. On va l'enfermer. On est mort. Wow, man, là c'était très chaud, mec. Ouais, t'es chaud. Mais gros, pourquoi elle les casse les j'sais couilles pas, là? Je sais pas, elle est relou là. Là, franchement, elle est relou de fou. Ouais, elle veut pas partir. Oh, non, vas-y, j'aurais limite des mecs à l'aille à droite et on se casse, tu vois. Ouais. En vrai, de vrai. Donc là, ce qu'on fait, on l'enferme dans. Je vais prendre un objet quelconque, on l'enferme dans le sauna. On a une 30 pour faire toute la cuisine. Tout. On fait ouais, toute la cuisine. Ouais, ouais. On va savoir où il y a quoi précisément dans la cuisine. Elle marche, hein. Tout le monde me dit, elle marche. De quoi? Non, le garage, elle marche. Ça marche. Le garage, ça marche. Okay. La sortie du garage marche. Allez. Voilà, si elle est là, c'est abusé. Ok. T'as pas de check ici. T'as pas de check ce côté-là. Putain, y'a rien, frère. Là-dedans, y'a un item, on va voir. Eh hey frérot, moi j'y crois. Moi, j'y moi crois. Aussi j'y crois. Faut juste qu'on ait un peu. Là déjà c'est merveilleux. À l'étage, en vrai, y a ça rien. Veut dire qu'on a rien. Ça veut dire c'est il y a un endroit où il y a tout. Engrenage. À quoi sert-il? Lui on sait Cog pas. Wheel. Donc ça sert à rien. Voilà. Laissons-le frérot, là. Frérot, c'est The Run. J'en dis que c'est allé là. Je le mets là. On se casse. Allez hop. Le cogwheel il est dehors. Cogwheel il est à côté du puits. Vous avez dit que c'est manivelle plus puits, on est bon. Manivelle plus cogwheel et on est bon. Donc ça c'est fait. Manivelle plus cogwheel. Ça, donc ça, si on trouve bon. Une manivelle, on sait quoi faire. On est trop on bien. On a tout devant le puits. Ok, ça c'est bon. Maintenant, il faut faire la cuisine. Donc il faut que je trouve un objet de merde. À gauche, va à gauche, non? Ouais. T'as fait encore. Voilà, comme ça elle arrive là. Puzzle. Bah allons à l'étage tant qu'elle est là pour check ce qu'il y a. On n'a pas check aussi la cabane ouais. Où il y a le. Où il y a le piaf. Tu veux checker la cabane où il y a le piaf ou pas? C'est bien, on check ouais, ça, c'est go. Fait. Comme ça, ça fait du bruit. Mais il y a rien, ah, frérot. Non. C'est ballsy ce que tu viens de faire. Hein. Elle est en bas normalement. Ah ok. On est mort. La pièce à gauche. À gauche. Comment t'es un boss frérot. Oh. Mais tu vois c'est pour ça qu'on est un bon binôme mec. C'est t'en toi, eu toi chaud. T'es le cerveau. T'es le cerveau et moi je suis le on gars a bête eu qui, chaud, qui. Parce qu'elle en était mort. Ah ouais non t'as magnifique mec. Magnifique. Un match de GG les BG. Et là il y a un bouton ils disent. Ici. Dans cette pièce. Ouais. Merci chat. À quoi sert Teddy les gars? Ça à quoi cette merde? C'est pour la calmer? Attends. Pose ça, pose ça, pose ça. Pourquoi ton cœur il fait ça? Bouge pas. Je sais pas mec. Non. 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 Les gars c'est qui Teddy? Bon, on va mettre ça en bas ou pas? Direct. Direct. Vas-y, let's go.
Moi, en vrai, j'aurais mis dans l'escalier et on remonte. Parce qu'en soi... Non, parce qu'elle va... elle va... De toute façon, elle nous bloque. Donc... Non, tu jettes dans son nain. Tu jettes dans son nain, on check la cuisine. Big BG. Là, je te le dis, t'as un big BG. Let's go. Ça l'énerve. Ok, on va checker. C'est un secret, le prends surtout pas, ça l'attire. Ok. Oh non. Oh non, tu l'as mal mis. Oh non. Oh non. Ça l'attire. Ah ouais, ça, ça te localise. Mais est-ce que c'est stratégique, les gars? C'est pour une autre fin, ok, ok, ok. Non mais nous faisons la fin de base, on sera très contents déjà, chap. Parce que ça veut dire si tu l'as, elle t'est aussi partout. Ouais, c'est comme si tu faisais du bruit perma, ouais. Quoi. Elle est pas venue, ah si, elle arrive. Ah, faut le mettre l'ours dans un berceau et ça fait la fin du jeu, je crois. Ah. Attends, est-ce qu'elle va dans le sauna ou pas, du coup? Ah, fuck, putain. Fuck, on l'a mal. Désolé, c'est ma faute. C'est pas grave. Ah, t'auras pas le temps si elle remonte. J'ai pas le temps. Vraiment qu'elle parte. C'est pas grave, elle va se barrer loin. C'est son doudou. En vrai, ça fait bader, le fait. Donc là, on fait sauna cuisine, on est pas mal. À l'étage, il nous reste une chambre à voir. Dans les sauna autres, il y a rien. Et tout le premier étage, on fait on du fait bruit toute partout. La cuisine. On fait la cuisine. Et on se casse. Cuisine. Et tu sais par où on se casse? Par dehors. Et comme ça, on redescend par en bas. Tu vois, on se casse par dehors. Ouais, ouais, je vois très bien. Et on descend par en bas, comme ça, on est ultra safe, on peut pas mourir. Frérot, c'est une merveille ce que tu me dis. Jette. Parfait. Non, putain, mais. Tu l'as bien mis. Ouais, mais c'est relou. Et le truc, il vole contre WAM. On va voir, attends. Allez, dis-moi qu'il y va. Maintenant, go. Oh, on n'a pas de chance. On a pas de chance là, c'est un délire. Putain. Ouais, le berceau en haut. Teddy égale le doudou de Slendrina. Et si Granny vient vers le doudou, Granny sera triste. Ok. C'est un easter egg à Skip. C'est pas la fin, c'est juste une animation. C'est la fille de Granny. Ok, mais Osef, on s'en fout. Putain, vas-y, de toute façon, tout est dans la cuisine au grenier là. Mais tout et là, est dans la cuisine. Là, fais au attention, grenier. Mets bien le fusil dans le coin du sauna. Ouais, je vais le faire. My bad. Vas-y, go. Putain, elle est proche là. Go. Barre-toi. Ok, là on l'enferme et on se casse. Nickel. Elle arrive. Allez. 1, 2, 3. Go. Frérot, j'ai pas pu appuyer sur E, il s'est pas affiché le E. Non, c'est trop. Vas-y. C'est trop, c'est pas grave. Trop... On l'attend pas le sonar. On l'attend pas. Si, on est obligé pour fouiller full cuisine en étant tranquille. Ah, quoique, si je joue avec la fenêtre. Vas-y, hey, frérot, one life. One life. Là, elle est en bas. Là, elle est en bas, elle va arriver par là. Eh, hey, frérot, one life. One life. One life. T'es sûr, elle arrive par là? Par contre, je vais devoir fouiller extrêmement vite, hein. Ouais, toujours. De toute façon, tu fouilles et moi je te dis. Elle est là. Voilà. Tu fouilles, moi je te dis ce qu'il y a. Putain, je suis trop con. T'as pas check la ouais, truc tout à l'heure. On aurait pu fouiller ça. Forcément, un truc là. Clé. Ouais, point. Ok, allez mon frérot. C'est voilà. Le destin, ma gueule. Les gars, c'est ça qu'on veut. Un max de GG dans le chat. On a la weapon key. On a la weapon key. On prend là-bas. Arbalète, priorité. J'ai l'arbalète, je la check la cuisine. Full cuisine. On check la porte d'entrée en passant. Ce qui on aura une minute trente, frérot. On sera... je lancerai un chrono. Je vais lancer un chrono. Allez, tryharder de baiser. On est bon, on est bon, on est bon. On y va. T'es prêt? Vas-y, hein. Go. Par là, tu peux? Non, c'est par là, c'est par là. On va arriver direct dans Waypoint Gay en plus. C'est là? Magnifique. Elle est belle. Allez, on la baise. Elle est belle. Elle va arriver par en bas, je pense. Dégage. Top chrono. Il a mis le chrono. Il a mis le chrono, ce okay, tryharder. Fais gaffe. T'inquiète. Ok, cuisine, là. Cuisine, go. Let's. T'as go. Encore la palette? Tout va bien, frérot, tout est sous contrôle. Il te reste du temps, il te reste 50 secondes. Ok, go. Non, il me reste beaucoup plus, mec. Ok, check. Steak. Le steak. Rien. Rien. Master K. C'est quoi? À quoi sert? T'inquiète, le chat va le dire. Ça... Non, ne reste pas attardé dessus. Pour la porte, c'est un truc pour la porte. Check tout. Mais t'as raison. Ça sert à quoi la Master K, les gars? On a rien ici. Boulon. Ok. Wrench, ok. Y'a rien. Et on est... il nous reste une minute, mec, on est large. Manivelle. Manivelle. On a tout on pour peut aller au puits. On va le faire.
Ok, on fait le puits. Pièce 25, on s'en bat les couilles. On fait le puits. Tu la cannes, on fait le puits maintenant. Ok, on fait le puits. Et tu laisses l'arbalète. Ok, on fait le puits. En plus, juste à sortir. Et ça, y'a quoi? Cutting pliers, ok. Padlock key. Et le code. Padlock code, ok. Ok, fais attention. Et je pense. T'as un marteau. Ça arrive, c'est bon. 5 secondes. Elle est de retour. Mais non, frérot, c'est une 30, mec. On est là. T'es sûr, c'est une 30? Mais ouais, c'est une 30, frérot. Non, tout le monde me dit. C'est la porte du garage, les gens, ils disent. Master key, porte principale, clé pour se barrer. C'est une porte d'entrée. Non, la master key, c'est pas ça, les gars, c'est autre chose. Ah ouais, c'est une minute. Ouais, c'est une minute, gros. T'as raison, t'as raison. Vas-y, viens. Ok, et là, tu laisses la balette ici. Boum. Ok, je l'ai. Ok. Il était où le truc? Il était où le truc? Derrière, totalement derrière. À droite. GG, vas-y, go. Descends. Oui, voilà, passe par là-bas. La parfait. Fenêtre, la fenêtre. Parfait. Il te reste 30 secondes. Parfait. Vas-y. Ok, le puits. Oh, comment ça prend bien du temps. Oh, bâtard. Mais à quoi il sert l'engrenage, du coup? À rien du tout. Il sert à quoi, l'engrenage, les gars? Frérot, elle est debout, là, je te le dis. Marteau. Putain. Heureusement, on l'a, hein. Barre-toi par là, c'est ouais. C'est quoi ça? L'engrenage. Ok, on a le marteau. Reste ici. Mais à quoi sert l'engrenage, du coup? Faut faire le truc du piaf. Tu casses tous les trucs. On va voir un item. Ouais, faut faire le truc du piaf. On va faire le truc du piaf et après on peut faire le haut avec la planche pour aller à l'arène. Ouais. On est trop bien, mec. Et on a le steak. Est-ce que l'arbalète marche contre l'araignée, les gars? Oui ou non? Merci à ceux qui s'abonnent, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, le pouce bleu, merci l'équipe. C'est déjà le truc du pire, c'est... Derrière toi. Okay. Je crois que c'est là, hein. C'est ouais, où il y a le ça, steak, et après c'est où il y a le steak. Okay. Est-ce qu'on fait la vie en plus? Parce qu'en vrai on sait où tout sont les puzzles, hein. Ouais, mais puzzle, un peu la flemme, ouais. Hein. Mais imagine on perd, on aura le sang. Ouais, pas tort. On n'a pas beaucoup de temps. Ouais, c'est strat, en vrai. Ok. Ils me disent oui. L'arbalète marche. Ah non, ils me disent non, en fait. Pour? Non, l'araignée, l'arbalète ne marche pas. L'engrenage, c'est pour l'intérieur de la petite cabane du jardin, okay. Ouais, c'est sûr. Il faut la clé de la cabane, ok. Donc là, de toute façon, on a le marteau. Donc là, on va trouver un truc, je pense, ouais. À droite, qui va définir la suite de notre game, mec. C'est ça. Et tournevis. Faut qu'on le fasse tomber, ce truc de merde. Ouais. Comment on fait tomber le tournevis, le chat? Arbalète. T'es sûr? Je pense. Mais là on est pas mal, frérot. Là la game elle est ouf, hein. Ouais. Là je te jure on est mort qu'une fois. Et on a elle est là, fait belek, hein. Je pense. Elle a mis des pièges, elle va se casser, non? Frérot. Oh, le destin de baiser, gros. Gros, j'étais en train de regarder le chat et d'un coup tu me dis frérot, je vois il y a écrit code. Donc sur ça le... c'est fait. Il nous manque le code, on sait qu'il est là. Il nous manque la pince. La pince. Qui est peut-être. Il nous faut les graines d'oiseau. Là si on trouve les graines d'oiseau. Regarde, le rêve. Graines d'oiseau. Into, l'oiseau, on a la pince. La clé à molette sert à quoi? Je me suis perdu dans mes pensées. C'est la voiture, la clé à molette. La voiture, ok. Ok, ça c'est merveilleux. Ensuite, avec l'arbalète, faut qu'on fasse la cible. Je vais juste devoir apprendre à viser, on va faire la cible. Non, la cible avec l'arbalète, on peut pas. Si, on peut. T'es sûr? Ouais, faut juste. Y a du bullet drop, donc faut faire gaffe. Ok, je vais essayer d'aller là pour voir. De toute façon, là, elle peut pas venir me percher là-dedans, je crois. J'ai pris tout mon time. Ok, grenier. Grenier, mais ça, c'est une useless, le grenier, en vrai. Non, c'est une...